20 contre Ward. Plus de semaine, plus de but. 26, et le but! Ok, Kevin Veilleux, Veilleux, belle montée. Coupe par la plaisir, et le but! Kevin Veilleux! Ainsi ça, encore une fois, il va de la même fin, et cette fois-ci, réussit à marquer Olivier Hayes! C'est, tire le but! C'est, échappé! Dans le quartier, et le but! C'est, quel arrêt! D'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à La Source et le Nash, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Christophe Lauzier de l'Assurantia de Thetford Mines. David, bonsoir. Salut, salut. J'ai un petit peu mis dans l'esprit du temps des fêtes. La soupe de Noël. Tu vas faire le Père Noël pendant le temps des fêtes, là? Ah, il me manque une couple d'olives pour faire le Père Noël. J'ai l'impression. On pourrait switcher pour ça. Mais non, c'est toujours le fun. Puis les matchs du temps des fêtes, je pense, dans la Ligue américaine, c'est toujours des matchs de fun. C'est toujours des matchs qui ont des bonnes foules puis qui créent des bons souvenirs. Donc, je vais me mettre un peu dans l'ambiance. Là. Aussi, j'ai les petites lumières en arrière depuis 2-3 semaines. Fait que... Ben oui, sur la peinture rouge. Ouais, c'est ça. La célèbre. En même temps, c'est le fun aussi. On n'était pas là la semaine passée. Fait que, on est de retour. Donc, c'est le fun de retrouver là, les fans de la Ligue puis de pouvoir refaire le podcast. C'était bien un bon décembre bien occupé, mais là, tout, les rushs d'avant Noël, c'est fini. Là, fait que, Yes, on va se faire plaisir aujourd'hui. Alors, ça commence déjà, l'Afrique est avec nous ce soir. On va appeler ça. François Poliquin qui dit « Bonne émission, messieurs ». Félix Dallaire qui dit « Salut les boys ». Il me dit « Salut » pour une fois aujourd'hui. Ah, Caroline, il est de bonne humeur. Yes, sir. Stéphane Vachon qui dit « Enfin, Lauzier ». Je pense que c'était un invité qui était très attendu chez les joueurs de la Ligue. Là. Un des joueurs les plus détestables de la Ligue. On va voir s'il peut être détestable dans un podcast aussi. C'est un joueur super populaire. Puis, ce genre de joueur-là, c'est pas qu'on veut pas les avoir. Tout ça, des fois, c'est une question de timing et d'adon. Mais je veux que ça faisait longtemps, nous aussi, là, qu'on avait hâte de recevoir Chris Lauzier sur le podcast. Fait que ça va être le fun ce soir. Je suis sûr qu'on va avoir des bonnes anecdotes. Là, ça va être Christian. Et donc, Denis aussi, Arsenault, qui nous dit bonsoir. Pas de l'Afrique, mais de Rivière-du-Loup. Manuel Gagnon qui dit « Salut les boys ». Sylvain Verret qui dit « Messieurs, bien le bonsoir ». JP Knepper qui dit « Salut » également. Pendant que je partage le podcast, peut-être commencer par quelques nouvelles. On va y aller peut-être. On pourrait faire peut-être le listing de la soirée. Enfin, dans une quinzaine de minutes, on va y aller avec notre invité, là, Christophe Lauzier. Mais avant, on va parler un petit peu des nouvelles. On va peut-être avoir un invité surprise, là, sait-on jamais, la personne qui va et vient comme le vent. On va voir, on lui a lancé l'invitation. On voulait parler peut-être là aussi, je pense qu'il y avait un dossier là, de avec l'arbitre, là, un call que tu voulais expliquer. On pourrait peut-être commencer par ça, Dave? Oui, on va faire les nouvelles là, comme on fait d'habitude. Moi, je revenais là-dessus. S'il y en a qui ont vu le match là, de dimanche à Sorel-Tracy, c'est une situation inusitée qui est arrivée en troisième période, une situation qui a été dommage pour Sorel, mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que André Bois-Morissette avait atteint Zachary Boursois d'un bâton élevé devant le filet de Rivière-du-Loup. L'appel n'avait pas été fait, puis Zachary Boursois saignait. Donc, c'était un 4 minutes de pénalité qui aurait dû être appelé. Ensuite de ça, situation complètement folle un peu. Vincent Ouellet-Baudry se retrouve en échappée. Danick Malouin le fait trébucher. Puis on accorde un tir de pénalité à Vincent Ouellet-Baudry.
ce qui est normal. Sauf que là, les juges de ligne, eux, qui ont le droit de faire des appels de pénalité quand c'est des pénalités, soit les 6 hommes sur la patinoire, des pénalités majeures ou des 4 minutes. Dans le fond, eux ont décidé de faire l'appel pour le 4 minutes qui n'avait pas été appelé. Puis là, dans le fond, ce que les éperviers rouspétaient un peu, on les comprend, là, c'est que dans le fond, s'il y avait un 4 minutes de pénalité à appeler sur André Bouvet-Morissette, ben là, le jeu se doit d'arrêter au moment de la pénalité, puis le tir de pénalité n'a pas lieu parce que si le jeu est arrêté à ce moment-là, ben Vincent Ouellet-Baudry ne s'en va pas en échapper. Puis Rivière-du-Loup a son avantage numérique de 4 minutes. Donc, tu m'as déjà perdu, mais continue. Ah, ben, c'est parce que tu partageais tes affaires, si tu avais écouté. En tout cas, ce qui arrive, c'est que l'appel était bon parce que les juges de ligne ont le droit de faire, des appels rétroactifs par rapport à ce genre de situation-là. Fait qu'ils ont le droit à l'arrêt de jeu de dire qu'il était supposé avoir une pénalité, puis d'appeler rétroactivement la pénalité. Puis là, ben, ce qui s'est passé dans la séquence compte. Fait que le tir de pénalité était bon, puis la pénalité avait été bien appelée aussi. C'est juste frustrant, puis on comprend Christian Deschênes d'avoir été un peu dans tous ses états. C'est juste frustrant parce que tu dis, si les juges de ligne ont fait l'appel, c'est que clairement, il y avait une pénalité que les arbitres n'ont pas vue, qu'ils auraient dû appeler. Donc, si cette pénalité-là avait été appelée de façon... de la bonne façon, eh bien, il n'y aurait pas eu de tir de pénalité. Mais dans les faits, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est réglementaire. Là. C'est quelque chose que les arbitres pouvaient faire. Donc, c'est ça. Un peu de malchance là-dessus, mais c'est tout à l'avantage de Vincent Ouellet-Baudry parce qu'il en a profité en maudit de son tir de punition. Là, il a fait une super feinte. Puis ça a été un but spectaculaire qui risque... Il risque d'être dans les jeux de la semaine, ça. Fait que, en tout cas, pour ça, là, je sais qu'il y en avait qui avaient demandé des explications là-dessus. Fait que c'est réglé. Si on y va pour les nouvelles, au niveau des 3 étoiles la semaine, 3e étoile des Marquis de Jonquière, Kevin Veilleux, qui a connu un super fin de semaine. 2 buts, 3 passes. Lui, en l'absence là, d'Alexandre Picard, là, lui et Eliezer Shabatov, qui se sont très bien complétés, ont fait plusieurs beaux jeux ensemble. 2e étoile, Kevin Gadouri, qui poursuit sa lancée. Il a fait un but spectaculaire en prolongation la semaine passée. Puis là, il va être d'une autre grosse fin de semaine, 3 buts, 1 passe. Tristan Côté-Cazenave qui a été vraiment étincelant à Sorel Tracy le dimanche. Je pense qu'il a permis à son équipe de gagner parce que les 3L sont revenus de l'arrière puis ont pris les devants en 3e période dans ce match-là là, pour finalement l'emporter. Mais ils n'auraient peut-être pas été autant dans le coup ou dans le fond, ou n'auraient peut-être pas gagné le match si ce n'était pas de Tristan qui a été vraiment spectaculaire. Donc, vraiment, les 3L qui, ça ressemblait pas à ça au début de l'année, mais finalement, se ramasse avec un fichu bon du haut de gardien avec Boily et puis Côté-Cazenave. Donc, tant mieux pour eux. Ça a changé en cours de route, en tout cas, on pourrait dire ça. Mm-hmm. Sinon, peut-être parler, là, je vais en parler un peu, Dave, parce que je l'ai regardé, c'était à 19h, il y avait un bilan des Marquis de Jonquière, en fond, là, Bob Desjardins recevait les médias pour parler un petit peu là, du début de saison des Marquis. Là. Les gens pensaient que c'était peut-être une conférence de presse, mais c'est vraiment pour parler de bilan. Donc, on a dit un peu du côté de Bob Desjardins qu'on était content de l'arrivée de Blackburn, Michael Tan, même s'il est juste part-time, Terrien Sherbatov, et parlé aussi un peu de Chevrier qui passe sous le radar, qui était le premier choix de l'équipe au dernier repêchage. Parler aussi un peu de la blessure à Philippe Paradis au haut du corps. On attend toujours l'évolution. Là. On prend des nouvelles, puis on regarde au jour le jour. Olivier Dallaire, là, qui a disputé que 5 parties cette année, traînait une vieille blessure là, qu'il avait eue dans les séries l'année dernière, donc, il était dans le plâtre. Il vient de se faire enlever son plâtre.
Puis on a parlé aussi de Francis Véropol qui n'était pas avec l'équipe, a déménagé, il n'habitait plus là, au Saguenay. Je pense que c'était, on évoquait des raisons professionnelles, mais on est toujours dans les discussions là, pour qu'il puisse disputer des parties avec, avec l'équipe. Je pense que c'était un peu la même chose pour Félix Petit là, de ce côté-là. Donc, des bonnes réponses aux questions que les fans de, des Marquis se posent probablement. Sinon, au niveau des ben, il y a eu quelques suspensions, on dirait que c'est un peu la, quasiment la norme dans la Ligue américaine à chaque fin de semaine. Il y a Jérémy Malouin qui avait été suspendu un match vendredi sur une mise en échec par derrière à Mathieu Gagnon. Il a déjà servi son match dimanche. Heureusement pour Saint-Georges, Mathieu Gagnon était de l'alignement le lendemain là, à Thetford Mines, donc plus de peur que de mal dans son cas. Ça a brassé aussi dans ce match-là un petit peu à Thetford Mines samedi. Là, donc, Tyler Boivin a suspendu un match pour avoir été l'instigateur dans les cinq dernières minutes. Charles Forcier qui s'est un peu lâché lousse sur les arbitres et de la façon dont ils avaient... Je pense que c'est parce que c'était le même arbitre qui avait arbitré vendredi à Saint-Georges aussi, qui avait connu une soirée, pas la meilleure soirée selon... Les entraîneurs de Saint-Georges, Martin Larivière, avait été renvoyé du match aussi vendredi. Donc, je pense que Serge Forcier en a mis plus que le client demandait. Ça va coûter deux matchs. Puis, Christophe Lauzier, ce qui a reçu un match, je dirais, je poserais peut-être la question à Christophe Lauzier, mais qui rentre parce que je ne sais pas, malheureusement, c'est pour, par rapport à quel incident. Fait qu'on pourrait peut-être lui poser la question, peut-être qu'on aura plus de réponses. Sinon, il y a eu des petits mouvements de personnel à Rivière-du-Loup la semaine dernière. Ça a été la grosse nouvelle là, qui a fait bien plaisir aux partisans, le retour de Samuel Lévesque. Et pas seulement un retour à temps partiel, un retour à temps pratiquement plein. Là. Fabien Dubé a dit qu'il ne manquera pas beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Donc, ça va changer la dynamique de cette équipe-là, j'ai l'impression, parce que tu sais, je lance mon chapeau à des gars comme Guillaume Morin qui ont fait la job sale depuis le début de la saison. Mm-hmm. Mais Samuel Lévesque, c'est un des rares qui est capable également là, d'effectuer une ou deux présences par période puis de pouvoir distribuer des bonnes mises en échec également puis de pouvoir jouer un peu. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça apporte une autre dimension. Il avait marqué un beau but là, à son retour l'année passée, à son premier match d'ailleurs. Ouais, il avait marqué à son premier match l'année passée. Puis dans le fond, un favori de la foule, fait longtemps qu'il est là, un gars de la place en plus, vient de la Procure. Donc, c'est pas trop loin. Ensuite de ça, il y a une petite transaction qui est passée sous le radar. Thetford qui ont échangé à Jonquière contre des considérations futures. Jason Horvat, qu'on avait vu jouer deux matchs là, plus tôt dans la saison, qui avait très bien fait. Là, il est rendu avec les Lions de Trois-Rivières. Donc, ça m'étonnerait qu'on le revoie dans la Ligue américaine cette année. Donc, peut-être un placement à court moyen terme là, pour les Marquis. Mais vraiment une petite transaction qui a passé sur radar. Puis Jason Horvat, moi je dis ça de même, mais Jason Horvat avait très bien fait, mais avait zéro point en deux matchs avec Thetford Mines. Puis il y a déjà deux points en deux matchs avec les Lions. Je dis ça de même. Puis ça m'a fait penser aussi en regardant ça. J'étais allé checker les stats de Philippe Bureau-Blais cette année. Il y a une meilleure moyenne de points par match avec les Lions de Trois-Rivières qu'il y avait avec Laval l'année passée. Fait que... C'est quand même spécial. D'habitude, c'est un petit peu plus le contraire. La Ligue nord-américaine est une ligue, c'est un petit peu plus ouvert, peut-être un petit peu plus de buts que les Lions. On peut tenter peut-être une passe cross un petit peu plus dans la nord-américaine, mais bon. Oui, en tout cas, ça c'est toujours le fun de voir les joueurs de la Ligue nord-américaine connaître du succès dans d'autres niveaux. Ouais. Qui sont considérés par des gens comme étant des niveaux peut-être plus élevés. Trois pistoles, ouais, Denis Arsenault, excuse-moi, trois pistoles, Samuel Lévesque, pas la pocatière. Puis Martin Delan qui dit sur la séquence avec les arbitres, si Sorel avait compté, pas sûr à 100%, parce que j'ai pas le livre de règlement avec moi, mais d'après moi, le but compterait parce que ce qui s'est passé après a compté. T'sais, ils ont appelé le tir de pénalité, ça l'a compté. Fait que si c'est Sorel qui avait compté, j'imagine que ça l'aurait compté également parce que, dans le fond, la séquence de jeu qui a suivi l'infraction a compté. Donc, peu importe ce qui arrive, j'imagine que ça l'aurait compté. Puis, ça aurait été frustrant pour Rivière-du-Loup, à l'inverse, parce qu'ils se font compter un but puis ils se ramassent avec un 4 minutes d'avantage numérique quand il n'y a pas hors de but. Mais
Voilà. Et peut-être dernière grosse nouvelle, Dave, est-ce que tu voulais nous en parler un peu? On en parlera après. Parce que là, après. Ouais, on en parlera après, mais ouais, c'est rester après la, quand même une annonce assez le fun. Là. Ouais. Ouais, peut-être une belle annonce un peu pour le temps des fêtes à vous faire là, après l'entrevue avec Chris Lozier. Donc, on va voir ça, cette annonce-là qu'on va parler après. Puis on va parler un peu peut-être trois surprises dans la ligue du côté des joueurs et du côté peut-être en général là, des surprises dans la ligue, ça va être après avec ta nouvelle. Donc, pour l'instant, on va y aller avec notre invité. Donc, une seconde. Christophe Lozier, bonsoir. Salut, ouais, ça va bien? Ça va, ouais, toi? Ça va très bien, merci. Yes. Donc, à la veille là, du temps des fêtes, 20 décembre. Est-ce que tes petits parties des fêtes s'annoncent un temps occupé peut-être? Là? Ben, en fait, moi, j'ai pas une grosse famille. Fait que, ben, en fait, cette année, on va aller dans ma famille qui est un peu plus grande. On s'est fait inviter parce que d'habitude, moi, j'ai mes parents et mon grand-père, là, dans le fond. Fait que, ça fait pas des gros parties de Noël, mais cette année, on va aller à Bécomo. Fait qu'on se fait incruster dans une plus grosse famille pour avoir un petit party. Wow. Là, t'es dans quel coin maintenant? T'habites dans quel coin? Je suis au 10-30 dans le fond. Ah ouais, ok. Oui. C'est un complexe, mettons, de condo qui. Oui, exactement. Les choses qui passent, qui poussent sur le bord de l'autoroute, là, c'est direct. Ouais. Parce que ça, je sais que tu avais joué à l'époque là, pour CCL. Je me disais que tu étais de la région, mais je pense que tu as déjà été un petit peu dans le coin de Sherbrooke aussi, ça se peut-tu? Oui, aussi, je me suis déplacé à Sherbrooke pour la job là, il y a un an environ. Je suis resté là un an et demi, pendant la pandémie, dans le fond. Là. OK. Good. Donc, Chris, tu connais un petit peu la formule. On aime ça un peu cuisiner nos invités, parler un peu de leur carrière. On va voir, j'ai fouillé ton Facebook, là. J'ai fait des belles trouvailles, vraiment. Je suis comblé. Puis, des petites questions en rafale aussi pour toi. Donc, on commence par le commencement, peut-être. Nous parler de ta carrière junior. Ben ouais, ma carrière, j'ai commencé avec Rouyn-Noranda. J'ai fait 2 ans là-bas, donc avec André Tourigny. C'est un choix de 3e ronde, 42e au total. Quand même, à 16 ans, tu as été repêché. Oui, exact, parce que j'étais midget espoir, moi, première année dans le midget. Donc, j'ai été repêché à 16 ans. Puis après ça, 2 ans avec André Tourigny à Rouyn. Puis après ça, j'ai été changé à Batters pour un autre 2 ans. Mm-hmm. Puis André Tourigny, qu'est-ce qu'il y a de l'air comme coach? Tu apprends la discipline, ces choses-là. Là, ça m'a forgé, honnêtement. Là, on le sait, tout le monde le sait. Là, c'est un coach qui est assez difficile, mais ça m'a vraiment forgé pour le reste de ma carrière. Là, ça t'apprend la discipline. Puis si tu fais les choses comme il faut avec lui, c'est sûr que si tu déroges un peu de la ligne, là, ça, c'est dur pour le monde. Mais, là, tu vas payer le prix, tu vas patiner, puis tout le tralala. Mais si tu suis vraiment la ligne directrice, là, c'est un bon coach. Puis je veux vraiment aimer ça quand même. Là. Tu pensais-tu le voir se rendre aussi loin qu'il est rendu, maintenant qu'il coach les Coyotes d'Arizona dans la ligne? Honnêtement, là, avec comment il parle en anglais, je pensais jamais qu'il puisse se rendre dans la ligne nationale. Mais finalement, je pense qu'il y a eu des cours en dessous de la table à quelque part, puis il a réussi à se rendre là. Puis, sinon, il y a un traducteur dans la chambre, je ne sais pas, là, mais c'est la seule lacune que je voyais, ou sinon, parce que c'est vraiment un bon coach hockey. Là. Peut-être appris le langage des signes ou s'est perfectionné entre-temps. Ouais, quelque chose qui s'est passé, c'est sûr. Puis, t'as été quand même nommé capitaine à Caddy Batter, je pense que c'était pendant une moitié de saison, si je ne me trompe pas. Là. Mais c'était comment d'être capitaine dans ton club junior? Ben, c'est sûr, c'était une belle expérience. Là. C'est ça, j'ai été à moitié de l'année avec Jérémy Blain. Et puis, c'est bon. des vieux souvenirs. J'étais blanc comme un drap, comme on peut dire. Puis, c'est une belle expérience, honnêtement. Puis, on a passé. Ben, c'était pas une grosse année, là, à Batters, les 2 années qu'on a été là, ça n'a pas été des grosses années, mais quand même, j'ai bien aimé l'expérience. Ok, t'as reçu ton chandail là,
à la fin de tes 20 ans. C'était un peu ça, la photo. Ouais. T'avais la photo d'avant, justement, là, que je vais la remettre. Tu avais gagné ce trophée-là qui était le joueur le plus courageux. Donc, Ouais. Déjà reconnu à un jeune âge comme un joueur courageux. Oui, exactement. Mais cette année-là, j'ai joué, je pense, et j'avais deux épaules complètement finies, puis j'ai joué toute l'année quand même. Là, fait que je voulais 20 ans dans la ligue, fait que tu fais tout ce que tu peux pour jouer. Fait que c'était un peu de ça là, que ça venait, là, je pense, le titre pour l'année. Là. Tu avais joué également à Caddy Batters quand on checkait tes coéquipiers là, avec un certain Jérémy Malouin qui maintenant est probablement un des joueurs que tu dois le moins aimer jouer contre quand vous vous affrontez. C'est comment un peu de deux joueurs, mettons, qui ont un style de joueur que t'sais, j'imagine comme coéquipier, ça doit bien aller, mais deux que tu sais que si tu joues contre, t'as envie d'y arracher la tête. Ouais, exact. Là, ils jouent un peu le même style que moi. Honnêtement, notre ligne en plus là-bas, c'était moi, lui, puis Vincent Arsenault. Fait que je pense que c'est la pire ligue, des lignes dans la ligue. Là. Les gars, ils n'aimaient pas ça jouer contre nous autres. Puis non, c'est un joueur qui est un peu comme moi. Fait que c'est sûr que quand on joue contre, ça fait un peu des flamèches, mais c'était le fun, notre ligne qu'on avait là-bas à Batters, par contre. Oui, puis ben Vincent Arsenault qui joue avec vous, quand même roulé sa bosse. Il joue encore dans la Ligue américaine, mais en tout cas, si jamais il arrive dans la Ligue nord-américaine un jour, je serais bien content parce qu'il appartient à Sorel. Mais ça n'est un autre bon dans ton moule. Ça. Ouais, exact. Puis tu as quand même des bonnes saisons si on regarde tes statistiques, mais puis avec ton style, j'imagine que tu as pu peut-être. Attirer l'œil de recruteur, mais as-tu des camps là, professionnels, là, ces choses-là? En fait, ce qui est arrivé, moi, c'est qu'à la fin de l'année de mon année de 20 ans, c'est le lockout qui est arrivé. Fait que j'ai pas eu grand choix là, qui s'est offert à moi. J'ai eu l'option, dans le fond, là, d'aller à l'Université de Trois-Rivières m'a appelé puis m'a offert de quoi qui était pas pire. Là. Donc, c'est sûr que au Cégep, le Cégep qu'on fait avec l'école, là, c'était pas. J'ai pas réussi à faire grand cours. Fait que j'ai réussi à avoir au moins. À faire un certificat à l'université de Trois-Rivières, fait que j'étais allé là, mais j'avais aucune autre option qui s'offrait à moi. Là, tous les gars descendaient dans East Coast, fait qu'il n'y a pas eu. Ça m'a coupé drette sec, là, drette là. Puis après ça, tu as fait le saut quand même relativement jeune là, dans la ligue nord-américaine. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans la ligue américaine? Surtout, je ne sais pas, un gars, peut-être quand tu étais jeune, tu étais un peu jeune, tu t'en fous, mais tu sais, un jeune que ton style de jeu qui rentre dans une ligue comme la ligue nord-américaine à une époque où c'était encore quand même très tough, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Tetford Mines? Ben, en fait, j'ai eu une belle année à l'université, on avait gagné à Coupe Queens et tout, mais à l'université, tu peux pas avoir de job, tu peux pas, tu te fais ces bourses, les bourses dans le fond de la Ligue Géant Majeure, puis moi, j'avais pas réussi à avoir là, un problème avec la Ligue. Fait que ça a été, il a fallu que, tu sais, le côté monétaire essayait de rentrer. Fait que j'ai fait le pas de ce côté-là. C'est sûr que quand tu me demandes, tu sais, quand j'étais jeune, j'allais voir ça, la Ligue. Là, mon père était commanditaire là, chez Molson. Donc, on a tant les billets. Fait que j'ai le temps à voir à Saint-Jean, les Chiefs, puis les missions, ces choses-là. Puis, s'il m'a demandé, quand j'étais jeune, j'allais jouer là, j'avais rien de la vie. Mais finalement, c'est ça qui est arrivé. Puis, tes premières années à Tetford, parlons-nous un peu de ça. C'était-tu Bobby Barry qui t'avait approché à l'époque? Qui a réussi à te convaincre? Puis, tu sais, comment est-ce que ça s'est fait, ton arrivée à Tetford Mines comme telle? Ça, c'est une bonne anecdote. Là. Dans le fond, ce qui est arrivé, j'avais déjà été repêché dans la Ligue par Trois-Rivières au départ. Puis, dans le fond, moi, j'ai jamais eu de contact avec eux. Je pense qu'ils m'avaient écrit sur Facebook. Puis, tu sais, des fois, là, sur Facebook, tu as des messages quand ils sont pas amis. T'es beau pour. Là, j'avais appris ça 2-3 ans après comment aller voir. Puis là, j'avais vu finalement, ils m'ont regardé de me parler, mais j'ai jamais vu le message. Fait que, ils m'avaient repêché, ils m'ont laissé aller. Puis là, c'est là que Bobby est allé me repêcher. Je pense qu'il y avait un des repêcheurs qui c'est un peu la même affaire que Gabriel Lemieux. Le repêcheur avait dit, il a vu moi puis Gab à l'université, puis il a dit, ces gars-là, ils ne te feront pas longtemps là-bas, c'est pas leur style de jeu. Puis effectivement, il avait raison. Ouais. C'est pas. C'est une ligue, tu sais, l'universitaire, là, si tu reçois des coups de bâton assez raides, puis tu regardes, puis tu dis qu'est-ce que tu vas faire, puis c'est ça, tu peux pas faire grand-chose comme ça, fait qu'il y a des coups salauds, toutes ces choses-là, fait que c'était pas. Il fallait que je me calme une couple de fois, là, parce que ça venait. Tu peux pas vraiment te battre là-bas ou. Non, c'est ça, t'es suspendu, fait qu'il y a des gars qui se permettent des choses de plus, puis ça devient assez dangereux, plus complexe des fois, là, cette ligue-là. Fait que je suis arrivé avec. C'est là qu'ils m'ont repêché, essayé, dans le fond.
je m'en rappelle plus, c'est le repêcheur de Tetford dans le temps, qui est Jean, quelque chose comme ça, qui m'avait appelé, puis j'avais accepté l'offre. Parfait. Il y a Martin Fecto qui dit, Dave, il faudrait se cotiser pour te payer un Gatorade, parce que c'est toujours vide. Il n'est pas vide, c'est parce que c'est de l'eau, fait que ça paraît pas. Ça paraît pas trop. Fait que sinon, dans le fond, première saison, tu te rends jusqu'à la finale de la Coupe à Thetford. Perdu contre Jonquière. J'avais déjà reçu, on a déjà reçu Louis Tremblay qui jouait pour Jonquière à l'époque. Ils avaient dit que cette finale-là, contre vous autres, c'est probablement la série la plus rough qu'il a joué, que c'était ça, tu sais, ça venait quasiment, tu sais, ça virait quasiment salaud. Parle-nous donc un peu de cette série-là. T'avais-tu un peu la même impression que ça avait été une série vraiment, vraiment tough? Oui, ben en fait, là, c'est sûr que dans ces années-là, là, c'était quelque chose, là, les gars. Je pense qu'on avait 5 toughs par équipe ou quelque chose comme ça, chaque équipe. Fait que, puis ça tombait souvent sur Jean-Robert, mais j'avais le début, là, c'était pas super. Mais ouais, au début, là, dans la ligue, là, c'était assez rough. Là, tu comptais le nombre de gars, comment ça allait tomber, avec qui tu allais te pogner. Puis toutes les games, là, ça te bloquait des shots quasiment avec la face, les gars, les blessures. Il y en a qui rentraient en béquille à l'aréna pour jouer. Là, fait que c'était quelque chose. C'est sûr qu'avec le fil des années, la rivalité, ça, les gars, on vient tout un peu plus chum. Fait que c'est sûr que c'est bon aussi cette année d'avoir une 7e équipe justement pour ça, pour rentrer d'autres mondes puis essayer de créer des nouvelles rivalités. Là. Parce que dans le temps, là, les rivalités étaient là puis étaient assez présentes. Là. C'est intéressant que tu dises ça quand même. Le fait de rentrer des nouvelles équipes, que ça brasse un peu la soupe, ça crée des rivalités d'après toi? Ben, ça va venir en créer parce que c'est sûr que... Et on se connaît tous les gars, il y a tout du respect partout, puis c'est sûr que c'est dur de créer, il y a des rivalités qui sont là déjà à la base, mais d'essayer de créer de l'émotion, ces choses-là, c'est sûr qu'une 7e équipe, ça peut juste aider. Mm-hmm. On poursuit le parcours là, l'année suivante, vous retournez en finale, mais cette fois-ci, vous réussissez à gagner la coupe. Parle-nous donc un peu de cette première coupe-là. Est-ce que, dans le fond, tu as un souvenir spécial là, de ce parcours-là en série que vous aviez fait en 2015? Ben, en fait, ça, c'est sûr, c'est mon meilleur moment en carrière de hockey, je te dirais. Là, quand on a gagné ça devant nos spectateurs, c'était assez spécial avec tout le monde sur la glace. Là, c'est un moment là, qui est assez... L'année passée, on a gagné la coupe, là, c'était pas chez nous, c'était pas pareil, les célébrations après. Là, il y a une couple d'anecdotes qui s'est passée, pas mal plus qui s'est passé quand on avait gagné devant nos spectateurs pour aller au bar là, après ça dans notre ville. Mais c'est sûr, c'est un des meilleurs moments, sérieusement, cette série-là. Ah, bon, on commence à en avoir une couple là, parce que on a déjà reçu Villemar qui en avait parlé, on a Medley qui en a parlé le mieux. On commence à en avoir pas mal qui l'ont vécu, cette couple-là, sur le show. De refaire un peu le bureau à Bobby Barry cette année-là aussi. Là. Ouais. Il y a un peu de liquide qui s'est déversé là-dedans. C'est pour ça que vous avez dû changer de couleur l'année suivante. Ouais, on n'avait pas le choix rendu là. Je savais pas comment le dire, mais tu m'as sauvé. Il y a la coupe qui a mangé un mauvais quart d'heure aussi. Là. Puis, est-ce que ça serait peut-être plus ta coupe 2015 ou ta coupe 2022, mettons, que tu es le plus fier? Là? Ben, en fait, c'est sûr, c'est la 2015, c'est l'année passée, en fait, c'est comme un fardeau qu'on avait, là. Tout le monde le savait un peu, là, avec la saison qu'on a eue. C'était comme ça a fait du bien, en fait, de le gagner, mais c'était comme plus comme tout le monde s'attendait à ça. Fait que c'était pas comme quelque chose qui arrive avec des buts en prolongation, deuxième prolongation, puis tu sais, des septièmes matchs, ces choses-là. Il n'y a pas eu ce petit côté-là. C'est vraiment juste un fardeau qu'on a réussi à enlever parce que on le voulait l'avoir. On avait un petit peu avec le COVID aussi qu'on avait manqué la saison d'avant. Fait que on avait notre grosse équipe, on voulait vraiment aller le chercher, mais c'est un peu différent dans ce sens-là. Bon, c'est un bail, ça. J'imagine que c'était différent les deux fois. Là. Ouais, exact. Ouais. Donc, c'est bon. Sinon, moi, je voulais savoir, dans ces deux coupes-là, ou n'importe quand, t'aurais-tu un souvenir, toi, personnellement, de ton meilleur moment dans la Ligue nord-américaine? Mettons un but que tu aurais compté ou quelque chose? Non, je n'ai pas tant que ça, mais non, j'ai pas. Pas quand même. Non, honnêtement, j'ai pas de tant que ça de moment là, qui me reviennent.
C'est vraiment juste des moments d'équipe là, tout le temps. Là. C'est des moments personnels. Je ne m'en rappelle pas bien, honnêtement, de ces moments-là. Il y a une question à le chat. On pourrait peut-être mettre à l'image. C'est M. Olivier Dosti qui demande « Allô, Christopher, très content de te parler. Est-ce vrai que tu vas manquer le début de la prochaine saison pour ta participation à l'Île de l'amour? » Non, mais là, je ne peux pas en parler tout de suite, là, mais... C'est dans les contrats, je pense. Je me suis demandé là, si je veux aller à Occupation Double ou à l'Île de l'amour, puis je ne sais pas pourquoi, là, tu sais, les gars, il y a assez de m'aider à trouver l'amour, mais je ne pense pas que c'est dans ces émissions-là que je vais la trouver, honnêtement. C'est ça, t'es connu comme un éternel célibataire ou quoi? Ben, ouais. J'essayais de m'aider, mais non, ouais, je suis plus connu de... Ben là, tu peux pas, tant que tu ne l'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Ouais, je suis pas sûr que ce serait bon pour mon image. Un peu impulsif des fois, là, puis ça sortirait mal à la TV, je pense. Ah ouais, t'es un peu ta personnalité sur la glace. Non, du tout. C'est sur la glace, là, honnêtement, le monde qui me voit en dehors, des fois, ils font le saut, ils pensent que je suis pas mal. Qui est titanant, lui, on peut-tu le bloquer, ce gars-là? Ah, je ne sais pas c'est qui, c'est un gars qui pose des questions. C'est lui qui nous a le plus achalé pour t'avoir là, à chaque semaine, il nous écrivait l'osier. Ouais. Dusty, là, il travaille à la ville, fait qu'il y a du temps de libre, il y en a en masse. Il doit justement être sa job, il ne faudrait pas appeler son boss. Mais moi, j'aimerais ça savoir là, un peu... Tu sais, sur la glace, là, on voit, là, tu jases au monde, aux autres joueurs, même à la foule, c'est quoi, vous vous dites, coudonc? Honnêtement, ils se disent bien les affaires, la foule, tout le temps pas mal les mêmes affaires qu'ils se disent, mais ça, c'est un petit côté que j'aime avoir, cette petite présence-là, là, ça me craint pour mes games, des fois, quand je suis pas trop là-dedans, mais là, il y a tout le temps quelqu'un dans la foule qui réussit à me partir bien comme il faut. Dans le warm-up, là, souvent. Oui, dans le warm-up ou dans la game, des fois, je leur donne des petits becs, des choses en même, mais tu sais, ça fait partie de la game, puis c'est comme ça que je me crains aussi de mon côté. J'ai les craintes aussi, fait que ça fait un bon. Y a-t-il une foule dans la ligue en particulier que t'aimes écœurer plus qu'un autre? Il y a Sorel, puis Sorel, puis Jonquière. Je pense que c'est les deux des places là, qui ont une bonne connexion, comme on pourrait dire. J'avais une petite question pour toi aussi, puis on l'a vu même dans tes photos dans le junior. Tu as quand même un numéro qui pas beaucoup de gens portent. Là. Le 61, ça vient d'où ça, 61, ce numéro-là? En fait, mon numéro, dans le fond, quand je suis arrivé dans le junior, c'est le 19. Puis quand je me suis fait trader, il n'y avait plus le 19, t'as déjà pris. Fait que j'ai comme c'est le 19 à l'envers. Fait que c'est rien que ça. Puis je suis resté avec ça après. Ouais. Parce qu'avant le numéro qui l'avait? Je sais plus qui l'avait. Je sais même pas si quelqu'un l'avait ou qu'il faisait juste pas ce chandail-là. Ouais. Mais j'ai tout voulu le changer. Fait que j'ai pris le 61 puis ça a resté comme ça. Parce qu'avant, mon numéro, c'était le 71 pour Mike Ribeiro. Oh! Ouais. Il y avait des mains comme Mike Ribeiro dans le temps, c'est ce que le monde me dit. Ouais. Ben, l'année passée, t'as fait un. C'est pas toi qui as fait le but, là, c'est mi-mort, là, mais t'as fait une crise de feinte à Laval. J'ai réussi à surprendre les gars encore, mais dans le temps, j'avais des mains, là, honnêtement. Là. T'en as fait un autre ici à Sorel. C'est le cours qui l'a complété, mais au début de l'année aussi à Sorel, t'en as fait. Ouais, mais cette année, d'après moi, là, vous allez voir une coupe d'highlight. Je commence à réchauffer, là, ça va sortir les mains. Là, il faut que quelqu'un remplace Goulet tant qu'il n'est pas revenu. Ouais. Il a like real. Ouais, les gars pensaient que ça allait être moi qui allait scorer 40 buts. Mais là, c'est un petit peu trop de pression pour moi, c'était ce côté-là. Fait que les suspensions aussi, ça ralentit souvent. Ouais. Ouais, mais ça, je voulais poser la question parce que j'ai été surpris quand j'ai vu ce site de la Ligue que tu avais un match de suspension. Est-ce que tu sais c'est pourquoi? Parce qu'honnêtement, j'ai revu tout le match et il n'y a rien qui m'a frappé comme tel. Non, mais ben, j'ai été aussi surpris que toi. En fait, là, c'est un petit tour de Saint-Georges là, qui est payé pour avoir une révision du jeu. Dans le fond, c'est le crochet que j'ai donné. J'ai eu un 2 minutes pour ça. Le gars, il n'aura même pas un bleu sur son bras. C'est juste vraiment... pour nous faire chier un petit peu, là, c'est une petite guéguerre, là, parce que ça ne leur sert absolument à rien de payer pour une révision à la Ligue pour ce geste-là, parce qu'on ne joue pas avec contre eux là, pendant un mois. Fait que c'est juste un petit move comme ça, vu qu'il avait perdu la game, il n'était pas content. OK. Dans le fond, en première période, ça? C'est ouais, exact. Oignon, ouais. C'est, ouais. C'est, bon, c'est, okay. C'est pas grand-chose comme...
En tout cas, je vais m'abstenir des commentaires pour ne pas avoir. Ouais, on les a mais c'est. Ouais, c'était... ouais, de toute façon, les commentaires non plus. Les... Ouais, les on va laisser ça. On passe à une autre question. Donc, Mike Vincent qui dit salut, Christophe. J'aimerais savoir comment tu t'es senti la première fois que tu as encouragé Marc-Olivier Damour. Ouais, ça, c'était assez drôle, honnêtement. On avait une bonne rivalité, moi, puis Damour, là, au fil des années. Puis, c'est quand Bobby m'a appelé là, pour me dire qu'il s'en venait en équipe, là, c'était assez drôle. Il m'a demandé si j'acceptais le tout. Puis, il dit, ben oui, c'est en masse, on va toujours là, prendre un joueur comme ça dans notre équipe, on en a besoin. Fait que, non, c'était assez drôle là, de le voir dans la chambre. Puis, tout. Les gars, justement, voulaient que je fasse une joke, puis faire semblant quand je rentrais dans la chambre, qu'il était là, que j'étais frustré après ou whatever, mais c'est pas été quand de le faire. Je l'ai encouragé à faire. On est bien content de l'avoir dans l'équipe. Mm. Question de le faire sentir mal un peu. Ouais, ouais. C'est toutes des idées à Dusty, ça. Tout le temps, les enfants ouais. La même, c'est mesquin. Pas là-dedans. Il y en a une autre question. Il y a quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si la voix, celle-là. Seb, il y a JP Ali qui dit ton combat contre Paquette au début de l'année, c'était quand même un combat assez spectaculaire. Il voulait savoir, est-ce que vous avez du respect pour un l'autre quand vous faites. Quand vous avez ce genre de guerre-là entre deux joueurs. Parce qu'il dit ouais. car ça vargeait. Ouais. Ben, en fait, c'est ça avec Paquette. À chaque fois qu'on se bat ensemble, c'est tout le temps des bons combats que ça donne. On a un peu le même style gauche-droite au niveau des coups. Fait que, ça donne toujours des bons combats. Puis ouais, il y a vraiment beaucoup de respect entre nous deux. Ça, je pense pas que le monde le voit sur la glace, mais on a vraiment beaucoup de respect pendant la glace aussi. Là. Nice. Puis il y a quelqu'un qui dit, ben Danny Charette, qui dit comme t'es suspendu jeudi, Mélissa devance pour revenir dans les estrades, elle aimerait te payer une bière, elle dort avec sa doudou de l'assurance avec ton nom dessus. C'est pour l'amour. Je pense que c'est sa fille. Là. Je vais aller prendre une bière, juste une dans la game. J'accepte l'invitation. Ah, Mélissa, ok, non, je pense que. Il y a Martin Larivière dans le chat qui dit t'aurais brisé une dent au joueur de Saint-Georges. Fait que peut-être c'était mieux. Ah, il est bloqué lui aussi, s'il vous plaît. Donnez le commentaire. Ouais, fais attention, il y a des gens, du clan ennemi qui est là. Ouais, mais ça doit faire drôle aussi parce que je veux dire, Larry, ça a pas mal été ton partenaire pour aller au front pendant plusieurs années. Là, maintenant, il fait partie de la plus grosse rivalité de ton équipe. Ouais, puis donc, vous voyez là, ce qui se passe à la glace, là, c'est rendu un ennemi, il veut me suspendre à tout prix, puis tout, là, puis il invente des affaires avec des dents cassées. Ok, quand ça se passe sur la glace, il n'y a plus d'amis après. Puis, tu sais, on parle de la rivalité là, contre Saint-Georges. À quel point cette rivalité-là, on reparlera pas là, de la dent cassée ou de la suspension. Mm-hmm. Mais mis à part ça, là, c'est ce genre de match-là, peut-être, parce que je pense que tu as parlé de connexion peut-être plus avec Jonker ou Sorel, mais quand même, ça doit être intense aussi, un match contre Saint-Georges. Ben non, c'est sûr. Puis c'est aussi le côté personnel de l'équipe. Là, si et ça, tu perds une game, admettons, contre Saint-Georges, ça va se faire cueillir toute la semaine de leur côté dans la ville. Fait que c'est des rivalités qui tiennent de même. C'est plus gros que dans le fond juste la game de hockey. Niveau connexion, c'est sûr. C'est, je dis les deux autres équipes parce que je sais pas si ça doit être avec les Beefeaters. On dirait que j'ai une proximité de plus avec Jonker et Sorel là, quand on joue là-bas. Mais quand j'y repense, là-bas aussi, là, c'est aussi pire avec les spectateurs, là, nos petites prises de bec. Là. J'ai une petite question comme ça personnelle. Vu que tu es un des joueurs les plus aimés à Thetford, je me suis demandé si aux prochaines élections là, de la ville, tu te présenterais à la mairie. Est-ce que tu penses que tu aurais une chance? Aucune idée. Je pense que je serais bon en politique, honnêtement, là, mais non, je pense que pas. Justement, non, quand je regarde là, notre goaler qui est rendu, qui est dans le temps, justement, quand je suis rentré dans la ligue, qui est rendu maire, j'ai pas le même profil. Là. De l'emploi, là. Malheureusement. C'est lequel de vos gardiens qui est rendu bon? Ah, ben, Dusty va le marquer dans les commentaires dans pas long. Là, fait que, ouais. Les commentaires d'Annick Paquette est écrit qu'il est content. Ouais, je pense qu'on a un petit peu. On vit avec notre nom, les deux. Fait que les gestes, ça passe un peu. On a notre marge de manœuvre est pas mal moins grosse que les autres, mettons. Mm. Antoine Tardif.
Ouais. Ça mal, honnêtement, j'ai de la misère avec les noms partout. C'est Martin, en plus. Good job, Larry. Le cousin l'a dit en premier. Yes. Donc, sinon, on pourrait peut-être y aller avec les petites photos, Dave. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais. Donc, vous allez me sortir là, vous autres? Donc, j'ai fait quelques trouvailles. Heureusement, j'en ai récolté quelques-unes. Puis, cet après-midi, contre toute attente, tu as accepté ma demande d'amis. Donc, j'avais accès à plusieurs autres photos, heureusement. Si on commence peut-être par... on va commencer choc. La plus vieille photo dans ton Facebook, là. C'est celle-là ici. Là, je regardais, je ne sais même pas t'es lequel. Je suis le deuxième parti de la droite. J'avais mon... c'est vieux, ça. Une médaille au moins. On a wake surf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le wake surf, là, qui a fini deuxième ou troisième, aucune idée. T'étais jeune dans ce temps-là quand même, non? Ben, j'avais 15 ans. 15 ans? Ouais. Ah, ouais. T'es un gars qui, en dehors de la glace, t'aimes ce genre de sport-là. C'est selon ce que je peux voir sur les réseaux sociaux. Ouais, je vais chercher mon adrénaline là, dans ces sports-là, là, que ce soit motocross, surf, wakeboard. J'étais coach de wake surf et de wakeboard aussi dans le temps. Ça a été toujours ma job d'été quand je revenais dans le fond du junior. Fait que toutes les la moto, ces choses-là, là, qu'est-ce qui est sensation forte, là, je les ai pas mal toutes essayées. Ouais, ça, je l'ai aussi. Ben, on va y aller avec ces photos-là, dans le fond. Là. Mais il y avait ici une petite photo de moto. Là. Ouais, c'est motocross. J'étais vendeur, dans le fond, chez Mathias. Puis j'ai commencé, j'ai géré l'équipe de course un peu là-bas, là, qui était à la FMSQ. Fait que j'avais une équipe qu'il fallait que je gère là-bas. Puis ils m'offraient le motocross aussi. Fait que j'ai tombé là-dedans. Puis ça. Attends, il m'appelait les mondeurs, l'osier. Fait que c'est des courses dans le bois. Là. Je pense que j'en fessais. Je me suis cassé le poignet une couple de fois. Là. Je fessais les arbres. Ça n'avait aucun bon sens. Quand je sortais de là, le bike était cassé à chaque course. Là. Fait que je me suis fait un surnom là-bas. Fait que je suis pas de mesure. Hein. Même si je n'étais pas assez bon, là, c'était le gaz au fond ou rien d'autre. Fait que c'était assez dangereux, mettons. Marie n'a pas peur. Cet accident-là ici. Là, ça, celle-là, il a coûté cher, cet accident-là, mettons. c'était un bike, justement, quand je travaillais chez Mathias, c'était un bike de la job. Puis ça, faut que mettons, si il arrive un bris comme ça, il y a eu quelques bris sur la moto, il hein, faut que tu payes les réparations. Là, fait que, ça avait coûté une petite beurrée. Tu dis que tu gérais les courses, tu faisais-tu des courses aussi? Tu participais-tu à des compétitions de. Moi, je compétitionnais. Dans le fond, je gérais l'équipe de course. Dans le fond, je gérais un peu qui ont commandité au travers de l'équipe. J'amenais, dans le fond, le setup, j'amenais les tentes, le trailer, je m'occupais des gars, puis je coursais aussi en même temps. Fait que, ça a commencé quand, ça? T'en fais-tu encore? Là, je n'ai pas. Depuis la pandémie, je n'ai pas fait bien. Je n'ai fait une couple de fois par après. Mais je n'ai pas refait dernièrement. Là. Je regarde peut-être plus pour l'année prochaine à recommencer. C'est tout à replacer les affaires après la pandémie. Puis, parce que ça coûte cher aussi un motocross là, à rouler. Là, les pièces, toutes ces choses-là. Fait que, après, dans le fond, l'année prochaine, d'après moi, je vais m'en reprendre un. Mais plus de course, par exemple. Là, plus que tu vieillis, plus c'est dur. Là, les petites chutes, ces choses-là, là, les os, ils ne réparent pas aussi rapidement que quand j'étais jeune. Fait que, je vais y aller un petit peu plus en douceur cette fois-là. T'as-tu déjà gagné des courses? Non, j'ai fini dans le top 10 une couple de fois, mais jamais à gagner de course. Mm-hmm. Il y a Danny Charrette qui, lui, a fait un auto NASCAR un peu à l'effigie de l'assurancier. Il vient de dire qu'il propose d'aller faire une course avec son char. Non, mais l'acceptation d'invité. J'accepte l'invitation, excusez-moi. Voiture contre moto, là. Ouais, on pourrait arranger ça. Faire un build-up, là, vie de style pourrait nous faire un bon speech là, pour nous monter ça. Ouais. Je suis pas sur Dusty, ça, je peux te le dire. Parce que j'avais en tête son speech là, une année, là, on l'avait passé au podcast à un moment donné. Là. Son speech? En 2015. En 2015. Peut-être même 2012, en tout cas. Donc, next, on va y aller avec cette photo-là. Merci, ben. Ah, numéro 9, ça. C'est pas là.
Ouais, ben ça, c'était mon premier numéro là, pour Mike Modano, ces choses-là. Fait que, ouais. Dans ce temps-là, là, les petits cheveux de même, je me disais qu'il fallait souffrir pour être beau. Fait que je me faisais des mèches. Ça faisait mal, cette affaire-là. Là, il te peignait dans le petit casque, là, puis il t'arrachait les cheveux. Pour... Mais c'est ça. Fait que, puis je n'avais pas mal là-dessus en plus. Là. Fait que, c'était ma petite mode, petite coupe de cheveux. Ça pognait bien. Ça marchait bien. Justement, je viens d'avoir ça. Là, pas... L'île de l'amour, ça serait déjà Je vois, je me mets des mèches. ça marche à peut-être. Mais je sais. Donc, next, ça, il y a le. Je pense que c'est Marine. Ça, c'est à Sherbrooke. Dans le fond, quand j'ai déménagé là-bas pour être directeur financier pour un concessionnaire là-bas, ils ont rentré des motocross. Puis justement, vu que je m'occupais des équipes de course avant, mais ils m'ont demandé là, de former les employés puis de m'occuper un peu des ventes, là, vu que je connaissais un peu plus le stock que les gars qui étaient en place, les vendeurs. Okay. Good. Sinon, on a fait des recherches et je suis tombé sur ta carte de bibliothèque. La carte de bibliothèque à l'Université de Trois-Rivières, donc Christophe Tremblay-Lauzier. Oui, Tremblay-Lauzier. Ça me suit partout, le Tremblay-Lauzier. C'est ma mère qui avait fait une erreur sur le baptistère. Elle pensait qu'il fallait marquer les deux. Elle voulait juste. Puis ça restait les deux partout. Là. Fait que j'ai Tremblay-Lauzier. Elle va rire parce qu'elle regarde sûrement en ce moment. Mais en tout cas, j'avais pas une caméra HD comme on peut voir. Là, c'était pas. C'était pas hier. Je sais pas pourquoi j'ai ça sur Facebook. Je vais aller le déliter après. on t'aide à faire ton mélange en même temps. Ouais, non, mais là, ça, c'est une des peines, honnêtement. Je vais remédier à ça assez rapidement. Ça, c'est quoi? Sur les mèches, ça faisait tellement mal qu'à un moment donné, t'as dû me raser mes cheveux. J'ai tout essayé les coupes. Là, fait que, puis là, je vais être dans pas long. Il me reste une couple d'années. Puis je vais retomber là-dessus parce que, comment là, je suis surpris que les gars en parlent pas, justement, de Steve. Mais quand c'est avec ça à chaque jour. Fait que, il m'en reste plus long avant que je me rase les cheveux. Là. Il y a aussi un autre de tes passions là, qui est le surf. Ouais. Donc, le surf ici. Oui, c'est du surf, là, justement, je regarde pour prochainement me trouver un voyage. Je descends aussi souvent des fois à Hampton Beach, là, c'est à 4-5 heures de route. Là, fait que quand il y a des vagues là-bas, je descends là-bas directement. Puis on est quand même chanceux d'avoir de quoi, pas loin de... Sûr que l'eau est frette un peu plus de ce côté-là, mais ça, j'adore ça, le surf, là, honnêtement. Tu sais, je donnais des cours de wake surf avant, puis quand j'ai commencé, j'étais allé au Nicaragua pendant un mois. Puis pour essayer de surfer, puis je pensais que j'allais être le king, vu que j'étais vraiment bon, j'étais des compétitions en wake surf. Puis quand j'étais arrivé dans la mer, là, j'ai fini mourir une couple de fois, là, tu te fais bardasser par la mer, puis c'est là que ça t'apprend à respecter la nature, puis vraiment, là, c'est, je me suis fait un blé assez rapidement. Là. Je pense que j'ai pas pris une vague pendant une semaine, j'étais pas capable de me lever à rien du tout, même si j'étais quand même considéré comme quasiment un champion au Québec là-dedans, mais fait que là, c'est vraiment de pratiquer à chaque jour les petites vagues là, que tu réussis à prendre, ton petit 10-15 secondes, là, c'est la plus belle affaire au monde, fait que ça, c'est une affaire qui garde, ça me travaille ma passion, justement, le surf. Mm-hmm. C'est quoi, selon toi, qui fait le plus peur? Une grosse vague que tu affrontes, tu n'es pas sûr? Ou lâcher les gants ou ça à glace au hockey? Je te dirais la vague, honnêtement. Le hockey, on dirait que ça devient comme acquis un peu. Là. C'est quand, une fois que les gants sont droppés, là, c'est juste de la réaction puis l'adrénaline embarque. Fait que même les coups de poing, il y a bien du monde qui le disent, là, tu ne les sens pas, mais c'est vrai que pendant le combat, tu ne sens pas grand-chose. C'est après, quand tu arrives au banc de pénalité, là, que tu commences à avoir les effets. Là. Mais quand tu arrives avec une vague, là, puis tu commences à être pris dans des vagues, puis tu as de la misère à respirer, là, c'est là que tu te rends compte qu'au moins, il y a des arbitres sur la glace qui viennent te sortir s'il y a quelque chose, là, mais là-bas, il n'y a pas grand monde qui peut t'aider quand tu es poigné normal. Puis j'étais tombé sur un petit vidéo, je ne l'ai pas mis dans mes affaires, là, mais c'était surferter.com. C'est quoi ça? C'est... Ouais, ça, j'ai honnêtement, là, j'ai un petit côté entrepreneurial, puis j'ai essayé de partir bien des compagnies là, sur Internet. Là, j'avais une affaire de monde, j'avais une affaire justement de même. J'ai essayé de partir en fait une compagnie de camp de surf. Fait que ça allait d'amener du monde. Mais là, finalement, côté permis, j'avais des idées de grandeur, mais les permis, plutôt le côté agence de voyage, ces choses-là, c'était assez complexe. Fait que c'est un projet qui a tombé à l'eau, mais c'était dans les idées. Là. C'est pour ça que j'avais fait une page Facebook de même. Ça, c'était au Costa Rica. C'était pour préparer des voyages. Là,
prenais du monde. Oui, c'est ça qui était le plan. J'aurais aimé ça avoir des groupes. Il y a Surf Expedition. Il y a beaucoup de compagnies québécoises qui le font présentement. Là, c'est d'amener des groupes, puis tu choisis, tu prends la vie là, puis ces choses-là. Mais finalement, quand tu regardes, là, ça prend ton agence complète, puis les permis, je pense que c'est 32 000 pour avoir les permis légaux. C'était des idées de grandeur finalement qui ont tombé à l'eau. En tout cas, surferter.com, j'ai essayé, puis l'adresse ne marche pas. Non? C'est mort, j'ai tout. Non, je paye, il fallait que je paye à chaque mois pour ça, fait que j'ai la merde. sinon, j'ai une petite photo. Ici, terrain de football. Ouais, ça, c'est dernièrement, justement, ça fait. Il y a 3 semaines, là, c'est une nouvelle passion. Là, le football, là, ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai commencé à écouter ça. Puis je pognais à piqueur ben regarde, honnêtement, là, du football. Fait que là, cette année, j'étais allé voir 3 games. Puis c'est l'ambiance là-bas. Le côté entertaining, la NFL, ils l'ont, puis pas à peu près. Là, puis c'est côté aussi, là, l'effet de comment tu es proche avec les joueurs au hockey. Tu vas voir une game, il y a la baie vitrée, puis si tu veux pas, ça cache un peu l'ambiance. Mais quand tu arrives, on prend souvent les billets assez proches des joueurs, puis tu les vois à côté, c'est surnaturel d'aller voir un game. Là, c'est vraiment une nouvelle passion que j'ai trouvée. Tu as dit que tu es allé à 3 games, c'est où tu es allé? Ben là, tu étais à Buffalo, mais c'est où tu es allé? J'ai allé 2 fois à New York, puis je suis allé à Buffalo, puis je suis allé justement voir les Eagles la semaine passée contre les Giants. Ok, Colin, tu fais ça sans manquer de match dans la Ligue américaine. Non, c'est ça. Ben là, on n'a pas un horaire en ce moment là, qui est très chargé, là, des une game par fin de semaine. Fait que, puis ça se fait bien. Honnêtement, Buffalo, c'était 6h30, puis New York, ça se fait en 5h. Fait qu'on voit la Jonquière dans le fond. Ben, non, c'est ça. on est rendu habitué de la grande route. Là. Ouais. Tu as une équipe préférée? La première, j'étais allé voir au début de l'année, c'est les Jets. Là, après ça, celle-là, c'était les Giants. Puis, l'autre, c'est les Bills. Les prochaines, je vais aller voir. C'est, mon équipe, dans le fond, c'est les Chiefs. C'est un peu plus complexe avec l'avion. Puis là, c'est justement avec l'horaire du hockey, c'est assez dur là, de pogner l'avion puis d'aller voir la game. Game au mois de septembre l'année prochaine. Ouais, c'est ça. C'est la saison, tu sais, à sa fin. Là. Mais je regarde ça. C'est la prochaine équipe, je vais aller voir. Ouais, ça doit être ça aussi, ça serait l'Arrowhead, là, ça serait pas mal un des tops à aller voir. L'ambiance a l'air malade là-bas. Ouais, mais peu importe partout. Là. Les Bills, honnêtement, là, juste le tailgate, le matin, là, c'était de 11h. Il y a comme 100 000 personnes autour de 3 rues parce que eux, là-bas, les Bills, c'est vraiment. Le stade, il est comme à mise à part, là, c'est dans une petite ville à côté, fait qu'il n'y a rien qui se passe là. Mais quand il arrive 100 000 personnes sur 3 rues, là, c'était. Il y a de l'ambiance, il y a de la bière qui se boit là, des tables qui sont brisées, puis c'est assez spécial. Le monde, la peinture, les cheveux, puis tout, là, il n'y a pas de lendemain. Tu l'as-tu essayé, ça, sauter à travers? Non, c'était assez complexe en trouver une, puis leur table qu'ils ont, ils les payent, puis ils veulent les péter eux-mêmes avec leur petit coin. Ça, je checkais Olivier Dosti qui a écrit « Tu peux plus te faire des mèches, t'as plus de toupette. » Tu l'as pas bloqué. Comment ça va être tard pour lui, il va falloir qu'il se couche aussi. Là. Sinon, je pense qu'il me restait-tu une photo? Celle-là, je l'avais-tu passée? Ouais, je l'avais passée. Ouais, je suis blanc comme un là. Il y avait la photo ici du championnat. Oui, ça, c'était celle en 2015. C'est elle avec tous les spectateurs après ça qui étaient allés sur la glace. Fait que ça, c'était un méchant beau moment. Là. Parlant de spectateurs, il y avait une petite question dans le chat. Danny Charette qui dit « Comment tu trouvais l'ambiance des spectateurs pendant les séries à Thetford l'année passée? » Puis aussi, quand on vous suivait à l'extérieur, je me rappelle aussi, il y avait beaucoup de fans de Thetford à Laval, notamment. Oui, bien ça, c'est honnêtement, la différence entre 2015 puis l'année passée, c'est vraiment ce côté-là. C'est le côté des spectateurs là, qui nous ont suivis, qui sont venus au Games à la route. Là, on a vraiment eu un gros groupe de spectateurs là, qui nous ont amené de l'énergie pendant toutes les séries l'année passée. C'était assez spécial ce qui s'est passé là. Puis encore cette année, on le voit, le même noyau de gens, là, de spectateurs qui viennent, puis on l'apprécie vraiment honnêtement. As-tu d'autres photos? Non, c'est fini pour les photos. Ça n'a pas été super finalement. Ça a bien été. Un peu de mèche, un peu de surf, un peu de moto. Fait que,
On sait que tu es un joueur de hockey casse-cou qui aime le surf. Ben, tu as quand même plusieurs passions. Là. C'est ça que je remarque. En tout cas, tu sais que tu as fait des compétitions de moto, de surf, joueur hockey, en plus du travail, là, le football, la star. Je me laisse me garder occupé. Là. Ça faut toujours que ça bouge, là, honnêtement. Là. Les business à travers ça. Oui, c'est justement, j'étais en train de partir d'un petit magasin de suppléments avec Yann Joseph dans son gym. Là, fait que, s'il y a des gens qui veulent voir l'autre supplément sur Facebook, on va faire un petit plug, l'autre supplément sur Facebook et sur Instagram. Là, on est en train de partir le tout ensemble. Avec Yann, mais là, c'est avec Yann Joseph, c'est pas Joe's supplément? Non, ben c'est dans son gym en fait. Là, c'est mon magasin, mais dans son gym là, pour l'acheter. C'est encore à Delson, la zone sportive? Oui, exactement. Même endroit. Ouais, très, très beau gym aussi. Non loin. J'ai même vu que tu avais été commandité aussi par Ante Landon, genre en 2018. Oui, David Gay qui m'avait approché là, en motocross, il m'avait commandité ce côté-là, là, moi et mon équipe de course. Ouais, des beaux chandails et du beau gear qu'il y avait, honnêtement. T'en fais moins, là, mais ça, c'est pas quelque chose qui stressait Bobby Barry, ça, te voir faire des courses de motocross l'été. Ben, honnêtement, c'est, il voyait pas. Justement, Dan, quand je suis allé faire une course à Thetford, je l'avais pas pensé à les appeler. Là, il était vraiment frustré que je l'avais pas appelé qu'ils viennent voir ça. Mais tu sais, c'est des affaires que tu essaies de pas avoir trop de spectateurs. Mais mes parents aussi, vraiment, elles aiment pas ça. Là, fait que c'est des choses que tu veux pas avoir du monde dans les estrades qui te regarde en plus pour essayer de donner un petit peu trop le show. Puis ça devient pas pareil, c'est assez dangereux. Là, fait que c'est pas des places pour avoir du monde autour de toi. Là. Qu'est-ce qu'elle a moins, une course de motocross ou une bataille au hockey? Ça rien demandé. Je pense que c'est pire le hockey parce qu'elle regarde les games, mais quand ça arrive, elle se cache dans un arrêt ou whatever. Là, fait que. En moto, au moins, elle ne le voyait pas. Fait que je pense que c'était moins pire. Elle voyait juste les os cassés après ça, les radiographies quand j'arrivais. Une question dans le chat. Je pense une question que probablement pas mal de monde se pose. Là. C'est quel adversaire que tu as le plus de difficultés à te battre? C'est une question de Karine Paradis. Ben, en fait, la question va être simple pour ce qui s'est passé le mois passé, je vais dire Sullivan. Ouais. Mais, non, là, comme... il faut y aller avec ça, honnêtement, mais il y a pas. Peu importe c'est qui, c'est toujours quelque chose qui est stressant au hockey là, de se battre. Puis, si t'as pas le stress, justement, là, je pense que c'est ça qui est arrivé un peu avec l'événement avec Sullivan, là, c'est que dernièrement, là, quand t'es un peu moins de stress puis t'es au-dessus de tes affaires, il y a toujours quelque chose qui arrive. Ça, peu importe c'est qui, la personne au bord, là, ça prend un coup de poing. Puis, donc, c'est ça. C'est, ça m'a réveillé aussi, là, je devenais nonchalant. Fait que ça remet la tête au bon endroit, comme on peut dire. Dans tous les sens du terme. Puis pendant, dans le fond, la semaine suivante, tu n'as pas joué de match, tu étais à Sorel, mais on l'a vu sur TVLNH, tu étais assis avec un gros bonhomme, tu avais joué à Altério. Je me demandais justement, quand je faisais le match, de quoi est-ce que vous étiez en train de parler, les deux ensemble? Est-ce que vous racontiez des souvenirs? Ouais, ben si on se racontait des souvenirs, on parlait aussi de je commençais à faire un petit peu de boxe aussi, puis lui, à son école, on parlait que justement, je vais aller faire des cours avec. Puis justement, c'est lui qui m'avait dit côté knockout, il dit « Ah ouais, il te fait un hockey, j'en connais pas un qui s'est pas fait knocker. C'est tous ceux qui se battent, c'est juste à leur demander de continuer à se battre, puis c'est sûr que ça va arriver un moment donné. » Okay, c'est des affaires d'avant qu'on se parlait, de nos pep talks qu'on avait ensemble. Okay. Ouais. Il y en a un autre aussi. Ouais, ben, c'était savoir un peu la boxe, là. Tu commences à t'entraîner, c'est pour le plaisir, c'est... dans le fond, là, c'est un autre sport là, que j'ai, qui est un peu extrême, là, que j'avais pas touché. Puis ça dernièrement est arrivé des choses que je me suis fait des amis là-dedans un peu. Fait que je veux pas, si je suis rentré là-dedans, ils m'ont fait des offres pour découvrir ces choses-là. Bien essayé. Ouais, c'est ça. J'ai marqué là-dedans, j'adore ça. C'est surtout côté pour garder la shape, tu sais, jouer au gym, ces choses-là. Mais côté boxe, c'est plus. Côté cardio là, que ça va aider. Fait que c'est un bon training. Puis juste pour je vais revenir aussi avant, il y avait un autre joueur de la Ligue américaine là, avec qui était quand même assez ami là, selon ce que je vois sur les réseaux sociaux, là, David Lacroix. ça, je voulais savoir, c'était comme c'est quand même un peu parce que vous êtes déjà battu
pense, deux fois ensemble. Tu sais, est-ce que c'est quasiment un peu un challenge de deux chums qui veulent se voir, genre, c'est qui le plus tough, ou tu sais, que c'est comment se battre contre un chum quasiment? Ben, en fait, là, c'est comme ça qu'on est devenu chum. C'est après les combats, on a commencé à se parler et tout. Puis, je suis tombé, justement, après ça, j'étais allé à Sherbrooke. Fait qu'on a commencé à se tenir beaucoup ensemble. On se fait souvent les soupers et tout. Puis, on a eu la pandémie en plus. Fait que on allait tout le temps ensemble. Soit à la brasserie à côté de chez eux, ou sinon, on se fait des soupers chez eux. Fait qu'on est tombé vraiment des bons chums. Puis, comme, là, en ce moment, tu sais, s'il arrive à des choses sur la glace, c'est des choses sur la glace. Mais c'est plus un peu comme un grand frère que j'ai, là, qui me donne des conseils puis qui m'aide sur certaines choses, justement, à côté des combats, là. Dans son garage, je pense aussi. Ouais. Coupe de training, c'est fait là pendant la pandémie. Garder pas perdre la forme. Non, ça, c'était pas facile pendant la pandémie. Fait qu'on s'était trouvé de quoi, là. Sinon, Dave, tu pourrais peut-être y aller là, avec tes questions en rafale. Ouais, donc on fait ça pas mal à chaque semaine, là, juste pour apprendre à connaître un peu plus les joueurs. Fait que une couple de questions à faire, là, tu réponds dans le fond, la première chose qui te vient en tête. Ton idole au hockey? Eh boy! J'allais dire Marc Ribeiro, mais mon idole, je te dirais Sidney Crosby là, pour son éthique de travail. Ton athlète préféré en dehors du hockey? Patrick Mahomes. Nice. As-tu une routine d'avant-match? Ouais. J'ai toujours d'essayer de mettre mon équipement de la même façon, puis je me tu trompes tout le temps quand même, là, mais j'essaie tout le temps de la mettre pareil. ton coéquipier le plus drôle? Le plus drôle, je te dirais de jouer Rattel. En passant, Tom Belmore avait répondu toi quand il avait posé. Ton coéquipier le plus en désordre, s'il y en a un? Je te dirais Cadorette. Ah, tu vois, Belmont aussi avait dit ça. D'autres vrai. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? Eh boy, il y a eu pas mal avec le junior. Puis il y a un qui est Mason Hour quand même. Là. Sinon, il y en a dans la Ligue nationale, il y en a plein. Je me rappelle plus d'un gars en particulier, mais il y a eu pas mal. Là. Puis il y a des gars qui sont dans le national. Nick Delaurier aussi, j'avais joué avec Arwen Aranda, qui côté combat maintenant, c'est rendu un des chefs. Mais sinon, côté hockey, il y en a eu beaucoup. Puis Mason Hour, c'est assez spécial quand je jouais avec. Là. C'était pas mal le meilleur joueur que j'avais eu. Sinon, Sergei Ostapchuk, cette année-là qu'on a eu aussi. Mm. Puis sinon, ouais, justement, Delaurier, ça me semble dans le junior, c'était pas nécessairement son style de jeu non plus. Non, du tout. Puis il était un défenseur en plus dans ce temps-là. Ouais. Il était vraiment plus connu pour être un défenseur offensif, mais il a compris comment rester dans le national, je pense. Ouais. C'est bon. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? Ouais, comme je disais, la Coupe en 2015. Ton repas préféré? Je te dirais des steaks. Je te mangerais ça à chaque jour, des steaks. Steak avec des patates. Là. Une coupe de vin, ça, là. C'est ça, mom. Classique. Parfait. Ton film préféré? Eh boy, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Film préféré. Quand t'es jeune, sinon. C'est bon, même là. J'ai pas. Il n'y a rien qui me vient en tête, je suis désolé. Série télé, sinon... Série télé, ça, ben, tu sais, mais attends, des choses comme Suits ou Sons of Anarchy, j'ai les ai toutes pas mal vues, honnêtement, elles sont toutes pas mal bonnes, les séries, je veux pas. Parfait. Si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Dernièrement, ça serait Luke Combs. Sinon, tu sais, j'étais pas mal le rap, le Drake, j'étais allé voir des beaucoup de shows de rap, mais j'ai commencé à écouter le country, puis Luke Combs ou Morgan Wallen, là, que j'irai voir. Parfait. Là, on checkait s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, vite. Non, mais il y a le cousin qui demandait, as-tu oublié ta poche de hockey une deuxième fois dans ton char? Raconte-nous donc ça, voir. C'est une des fois, je pense, en 2017, quelque chose de même. Je pense que c'est même Mathieu qui nous chauffait. Puis moi, c'est rare, je laisse tout le temps ma poche à Thetford, mais pour une raison X, là, je l'avais apportée. Fait que j'avais oublié, si j'étais arrivé au char pour faire le switch, pour embarquer dans la van avec l'équipe, puis j'ai laissé ma poche dans le coffre.
Fait qu'il a fallu que je pogne du stock pêle-mêle, puis c'était foyant, mais c'est arrivé à plusieurs personnes, ça. Fait que je suis pas le seul. C'est bon. Puis François Vassar qui dit où tu préfères jouer sur la route. Je pense que tu avais dit que tu aimais bien t'engueuler ou t'ostiner avec les fans à Sarah. C'est vrai, j'ai oublié Laval aussi. Moi, François, on a une coupe, on aime ça. Ouais, quand on est à Laval, là, ça donne un bon show aussi, je pense. C'est un des partisans qui te parle à travers. Ouais, ben, tu sais, puis tu sais, on se connaît bien, moi, François aussi, là, fait que ça donne, on embarque là-dedans là, pendant la game, après la game, on se serre la main quand même, ça fait que ça donne un bon show. C'est bon. Je voulais savoir, on a parlé un peu avant là, l'émission, des petites anecdotes. Est-ce que tu penses peut-être à une ou deux anecdotes que tu pourrais nous conter? Là, j'en ai plusieurs, honnêtement, mais elles sont toutes sur la ligne de ce qu'on peut dire en ondes ou pas. Sur la ligne, c'est correct. C'est dépasser la ligne. Pas non, mais ben, c'est ça. Je ne sais pas où la ligne. Fait que, non, mais j'ai pas grand-chose. On a déjà parlé que vous avez repeinturé le bureau à Bobby. Fait que, les bonnes, ça avait dit. Les autres gars l'ont dit un peu de ce côté-là. Là. As-tu une de la coupe l'année passée? Je sais que ça avait veillé tard à Laval, selon ce que. Ouais, ça avait. Ça, mais tu sais, c'était pas pareil aussi. Là. Tout le monde, on chauffait. Fait que ça a été complexe là, avoir les lifts après ça. Là, fait que ça n'a pas été le même party qu'on aurait pu avoir si on avait gagné à Thetford. Mais après ça, on s'avait bien repris. Au party, ouais, au party, après ça, là, la parade, je pense qu'il y avait mi-mort, il était 4 heures de l'après-midi, on avait comme un souper avec les partisans, là, certains partisans, puis ils étaient rendus en chaise avec le chandail dans les airs. ça a été une grosse soirée, ça aussi. Là. Sinon, peut-être une sa glace de, je sais pas, du folklore de la Ligue nord-américaine qui viendra en tête. Peut-être voir tes débuts ou... C'est genre quelqu'un qui te lance une poutine dessus puis que tu l'as mangé ou... Non, j'ai pas... Honnêtement, il arrive tellement d'affaires que on vient que je suis rendu habitué avec ces choses-là. Il n'y a rien de spécial qui me pop dans la tête là, en ce moment. Je suis désolé. Non, pas trop. Dernier tour de piste. 1, 2, 1... Posez vos questions, là, le monde dans le chat. Il y a François Bellefleur qui dit qui porte mieux le 47. Y a-t-il beaucoup de monde qui porte le 47 dans la ligue? Ou, ben, Medley, ben, Medley porte plus le 47. Ah, c'est ça. Maintenant. Ouais. C'est peut-être parce que maintenant Medley est rendu à Laval qui posait ça. Là, si on parle, on revient au hockey, ça va quand même être un gros match jeudi. Vous recevez Étienne Marcoux qui va être de passage. Ça va faire quoi, tu penses, de jouer contre Étienne Marcoux à la maison? Comment est-ce que vous voyez ça, ce match-là, face aux bâtisseurs? Ben, c'est sûr, ça va être une grosse game. On a recommencé un peu le chemin de la victoire cette semaine. C'est assez dur là, aussi, des games, là, une par fin de semaine. Fait que ça va faire du bien en fin de semaine. On a deux games back-à-back. Fait que juste de repogner le pace un peu, de se remettre dans l'ambiance là, du hockey. Puis contre Marcoux, c'est sûr, c'est un très bon goaler. Fait que ça va être quelque chose de spécial de le revoir à la maison. Là, pour le premier game. Est-ce que vous connaissez peut-être un peu plus ses points faibles que les autres équipes? Honnêtement, il n'y a pas grand point faible non plus, là, mais c'est sûr. On va trouver le moyen, je suis pas inquiet. Le fait que là, vous avez joué quelques parties, juste une par fin de semaine, mais je pense que vous avez peut-être joué 16 parties. Il y a des équipes qui ont quand même joué 17, 18 games, mais le classement est très serré. Ces games-là que vous avez en main, je pense que pratiquement, peut-être. Deux victoires, puis ça pourrait vous relancer en première place. Mais comment tu trouves peut-être la parité dans la Ligue cette année? Ben, honnêtement, tu m'aurais demandé ça au début de l'année, j'aurais jamais pu prédire ça. C'est assez spécial. C'est bon signe aussi pour la Ligue. Là. Tout le monde est proche. Puis tout le monde, ça va donner une bonne course, je pense, pour la fin de la saison, là, pour ce qui est des classements. Là.
Il y a une question, une autre question qui est apparue. C'est quand même une bonne question parce que tu sais, ça fait vraiment longtemps que tu es dans la ligue, mais tu es encore quand même jeune. Je pense que tu as 31 ans. 31. Stéphane Vachon qui dit, est-ce que tu te vois jouer encore longtemps? C'est une bonne question. Tu sais, on y va. Année après année, c'est toujours, on a tout le temps un nombre de coupes ou quelque chose qu'on veut avoir. Là, puis, mais non, tant que la chip est là, j'essaie de me garder en santé. Je pense que je peux jouer longtemps, mais c'est sûr aussi c'est différent, c'est côté les blessures, ces choses-là qui peuvent nous ralentir. Mais aujourd'hui, je pense c'est quand même de rester longtemps quand même encore dans la ligue. Tu as un plan peut-être de te retirer avec Tedford? Ouais, c'est ça, vas-tu jouer pour un autre club que Tedford? Ça pourrait être quelque chose, un échange, là, ça pourrait être un game changer de ce côté-là, justement. Et honnêtement, ouais, je me vois à Tedford pour le reste de ma carrière. Là. C'est, ça fait 10 ans quasiment que je suis là, je pense, puis je suis tellement bien traité et tout, là, fait que je ne me vois pas ailleurs que là. Ouais, jusqu'à temps qu'il retire ton chandail. Je ne le penserais pas, là, mais bon, on pourrait dire. Tu pourrais faire comme Lacker aussi, retraite, revenir la saison d'après. Ou... Ouais, non, mais si je l'ai tu dit. Regarder, tu pourrais regarder ton chandail dans les hauteurs de l'aréna. C'est tellement dur, honnêtement. Là, que surtout quand on est encore en shape, là, toutes tes fins de semaine, t'es avec les boys, c'est un esprit qui est assez spécial là, de ce petit camaraderie-là. Fait que quand tu arrêtes ça, là, tu perds une grosse partie de ta vie. Fait que. C'est sûr que tant que je peux le faire, là, je pense que je vais le garder parce qu'on a besoin de ça. C'est ce qu'on est habitué aussi là, avec notre vie. Là. Une question de Mike Vincent qui dit « Aurais-tu joué à Trois-Rivières dans la LNEH si on t'avait gardé? » C'est une bonne question. Je pense pas. C'est vraiment l'approche de Tedford Mines qui m'a... Parce que je pensais pas jouer dans la ligue, honnêtement. C'est l'approche de Tedford Mines qui m'a fait embarquer dans la ligue. Là. Bobby est bon pour convaincre des gars, honnêtement, ça, on ne se le cachera pas. On en a parlé un petit peu aussi à travers les émissions, là, où, les joueurs qu'il peut aller chercher, aussi tu sais, les remplaçants qui peuvent amener une game donnée, c'est quand même du gros luxe. Oui, vraiment. Oui, mais tu sais, juste avoir ramassé un marquevier d'amour au ballottage. C'est une affaire, tu savais que je m'avais... Je pense que j'ai été autant surpris que toi là, à la game d'ouverture. Je le vois, ça aligne. Parce que j'étais à la game à Montcalm la première fin de semaine. Puis je le vois, puis tu sais, je savais pas qu'il avait signé. Puis j'étais comme, Colin, c'est dans mon... Qu'est-ce qu'il fait, là? J'ai été à Saint-Georges. Honnêtement, Bob, il est allumé. C'est toutes ces affaires-là. Il appelle tant quelqu'un, il voit quelque chose, là, il appelle quelqu'un, hey, ça. Je sais pas comment il fait quand il dort ou whatever, là, mais. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis, Colin, il y a 5-6 autres équipes qui ont passé à côté. C'est quoi que ça? Tant mieux pour vous, mais ouais. Yes. Donc, sinon, ben, merci à Chris de t'avoir prêté au jeu. Merci à vous, boys. C'était intéressant. Un petit mot pour les fans de Tedford en finissant. Yes. Ouais, merci pour le support qu'on a tout au long de la saison. Là, c'est les plus grosses games qui s'en viennent avec la fin de la saison. Fait qu'on espère avoir l'appui pour le reste de la saison. Puis on est bien content de nous avoir. All right. Fait qu'on va te souhaiter une bonne fin de saison. Et merci d'être venu sur le show. Puis on va te souhaiter des joyeuses fêtes aussi. Yes, sir. Ben merci pareillement pour vous et boys. Bon petit voyage à Bécamo. Yes, sir. Merci. Ciao, ciao. Yeah. All right. Fait que bonne entrevue avec Chris Lozier. Je suis content qu'on l'a eu. Super sympathique. Donc, j'espère que les gens ont apprécié. C'est vrai que tu sais, quand on le voit sa glace, puis il l'a dit lui-même. On dirait j'ai l'air un peu méchant ou je vais prendre avec du monde dans les estrades, mais dans le fond, il n'y a comme pas le même caractère dans tous les jours. Là. Je pense que c'est peut-être là, qu'on peut le remarquer dans des émissions comme ça aussi. Ah, ça aussi. C'est souvent ça aussi. C'est extrêmement rare que les joueurs qui sont étiquetés comme étant plus tough sur la glace que hors de la glace, ça va être des... Rolling Gates, là, je pense pas que c'est rare. Il n'aurait peut-être pas servi à Messi.
Non, non. Yes. Fait qu'on voulait... ben avant qu'on y aille avec nos surprises, ben parlant de surprises, il y a un petit projet que, qui est en train de se travailler tranquillement depuis le début de la saison pour la Ligue nord-américaine. Là, c'est Kevin Lusignan-Sorel qui s'occupe de ça principalement. Mais là, ça s'en vient sur le point de pouvoir être lancé. On a un petit quelque chose à vous montrer. Là. Je pense que ça va être dans quelques semaines au retour des fêtes. Là. On va pouvoir, vous allez avoir, aller pouvoir vous procurer ça dans les différents arénas de la Ligue. Je pense que tu peux montrer une image. Donc, les cartes de la Ligue nord-américaine de hockey. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça? Ben, c'est qu'il y a souvent plusieurs équipes, tu sais, qui ont fait leur propre carte. La Ligue n'a jamais fait une série de cartes pour la Ligue en tant que telle. Donc, moi, c'est un projet qui je trouve super le fun. C'est sûr que je vais essayer d'avoir toute la collection. Mais ouais, donc, ouais. C'est ça. Donc, ça va être des paquets pour, dans le fond, pour la Ligue en entier. Fait que dans le fond, ça va être les cartes vont être 1000. Ben, soit tu peux acheter comme une boîte pour avoir ta collection. Soit, ben là, ça reste des détails à peaufiner. Là, mais c'est on va voir les amasser. Là. C'est ça, comme des... un paquet, c'est ça. Les vraies cartes. Là, des surprises, puis tu sais, il va y avoir, techniquement, selon ce que vous allez voir, il est supposé avoir comme la série, je pense que c'est 24 cartes par équipe, donc 24 joueurs par équipe. Ensuite de ça, avoir les cartes pour les gardiens, une carte spéciale pour les gardiens, une carte spéciale pour les hommes forts, puis une carte spéciale pour, je pense que ça s'appelait tireur d'élite pour les meilleurs marqueurs dans la ligue. Donc, pour les mettre, en fond, les mettre de l'avant eux autres ici. Fait que je pense que c'est un projet qui risque de faire plaisir à beaucoup de fans. Moi le premier. Donc, j'ai hâte que ça soit sorti. Puis t'es pas le seul Danny qui dit ça va. Bon, ça risque d'être un piquet de l'allure, mais en tout cas, moi je trouve que c'est le fun parce que justement, on a vu souvent des équipes, je prends l'exemple de Saint-Georges l'année passée, qui avait eu leur série de cartes, mais que la Ligue ait ça pour la Ligue, je pense que ça va être le fun. Puis ça va permettre aux fans des autres équipes de peut-être apprendre aussi à connaître les joueurs de chaque équipe. T'sais. En tout cas, ça va de la gomme dedans, c'est la question qu'on se pose. Ouais, ça va de la gomme dedans, bonne question. Ça reste à voir, peut-être si on est capable de ceux qui s'occupent de ça sont capables de se trouver un deal pour avoir la gomme pas chère, mettre ça dans les paquets. Ouais, mais on peut voir chaque carte a leur design différent. Donc, celle à gauche de Christophe Lauzier, justement, ça serait le design comme des cartes. De chaque joueur. Après ça, les cartes de gardien, celle de Nicolas Poulin, c'est la carte spéciale pour les meilleurs marqueurs. Je pense que c'est un bon exemple à mettre pour ça, Nicolas Poulin. Pour les hommes forts, c'est celle de Laurie Dunier et David Lacroix. Chaque équipe va avoir comme sa carte d'homme fort, puis sa carte de tireur d'élite, sa carte de gardien, puis les 24 joueurs de l'équipe. Ouais. Donc, c'est Kevin Lusignan de Sorel qui a travaillé là-dessus. Lui qui s'en occupe, c'est lui qui s'en occupe principalement. Ouais. Marc-Vincent. Vas-tu organiser des unboxings en live? Ouais? Faire des, comment on appelle ça, des Raz aussi? Là. Ouais, ça pourrait être pas payer ça. Faire un Raz comme un... Tu choisis comme une équipe, là, tu mets 15$, puis là, tu as le tireur d'élite de telle équipe si tu as gagné. Non, on peut faire des échanges. Il y en a qui se prennent dans les arénas. Ouais, c'est ça. Faire des breaks. Ouais, c'est ça. Pendant Laval, s'il y a un gars à Sorel qui a la Nicolas Poulin, tireur d'élite, ou la Derek Parker. Tous les joueurs vont être là ou c'est 24 joueurs par équipe. 24, okay. Les hommes forts, je pense que c'est une par équipe, ou peut-être deux, ça dépend des équipes, là, mais ça, j'ai okay. pas à dire. Mais tu sais, à 24 joueurs, les joueurs qui ne seront pas inclus, c'est vraiment comme ceux qui sont remplaçants, ceux qui jouent deux games dans l'année. Là.
La majorité des joueurs sont pas mal tous là, ça c'est sûr et certain. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la petite surprise. Ça sera pas pour Noël. Ça va être juste après que ça va pouvoir commencer, sûrement en janvier. C'est la fin de la saison. Fait que là, on est à la mi-saison. On voulait parler un petit peu des surprises depuis le début de la saison, un petit peu faire un bilan parce que je pense qu'on a le droit à une super belle saison. Puis, voilà un an, on n'avait même pas de hockey, on ne savait même pas si ça allait repartir. Donc, on peut faire un vrai bilan de mi-saison. Fait qu'on voulait regarder ça. Puis, je pense que pour les surprises et tout ça, je dirais salut à notre collaborateur Maxime Duquet qui a fait des beaux articles là, par rapport à ça sur. La source de hockey qui a parlé là, de la mi-saison là, dans la Ligue nord-américaine. Donc, on voulait vous en parler. Si vous avez aussi des trucs dans les commentaires, là, des surprises cette année que vous avez vues ou des joueurs qui vous impressionnent, des choses comme ça, là, n'hésitez pas, là, on va pouvoir en discuter. Je te laisserai commencer, Sébastien. Je pense que tu avais les articles. Je vais juste faire un petit clean-up. Il y a des annonces que je vois passer. Je ne sais pas si c'est genre sur la page de la Ligue. On les efface puis on. Ouais, peu importe. Mais non, il y avait trois surprises là, de joueurs. Donc, Maxime Duquet avait commencé par un 3 surprises de joueurs. Et le premier là, de sa liste était Maxime Lacroix, donc du coup, les fans de Saint-Georges. Si on regarde là, du côté des pointeurs là, cette année, dans le top 5 plutôt là, des pointeurs, au quatrième rang, Maxime Lacroix, 10 buts, 13 passes, 23 points. A été aussi dans les joueurs de la semaine là, au moins une reprise. Moi, je veux pas encore me lancer des fleurs parce que je pense que c'est pas qu'on en parle, mais moi, au début de la saison, dans le premier podcast, je l'avais identifié comme un des joueurs, je pensais qu'il allait éclore cette année, parce que j'avais suivi sa progression l'année dernière. Puis, en tout cas, il m'apparaissait comme un joueur qui était un candidat là, pour éclore. Fait que je suis content de voir que j'avais raison. Puis Maxime Lacroix, tu sais, c'est un gars qui arrivait avec un background, beaucoup de matchs joués dans la Ligue américaine, a joué avec des bons niveaux. Faut pas oublier, c'était le premier choix de Saint-Georges lors du repêchage de 2020. Donc, on avait beaucoup d'espoir de fonder sur ce gars-là quand il est arrivé à Saint-Georges. Puis je pense qu'il est en train de récompenser les dirigeants qui sont allés chercher. Vraiment, c'est un joueur qui peut faire des buts, spectaculaires. Et puis, C'est un travaillant aussi, Maxime. Oui, c'est ça. C'est pas un gars qui a froid aux yeux non plus là, quand il se passe de quoi. Il va être là pour répondre. Là. Donc, vraiment, je pense que c'est un bon choix là, de Maxime. Puis pour avoir parlé avec Maxime l'année passée au podcast aussi, il nous l'avait dit qu'il était... un peu déçu peut-être au niveau de la fiche des points, là, mais ça a tout été un travaillant. Puis c'est comme, à force de travailler, on dit tout le temps que les bonnes choses arrivent. Je pense que dans son cas, c'est ça qui est arrivé. Continuer à travailler, faire les bonnes petites choses. C'est un joueur qui, il a des points. Mais au-delà de ça, il est bon à un contre un. Gagne les grosses batailles. C'est un joueur qui joue des deux sens de la patinoire. Un joueur très important pour Saint-Georges et Saint-Georges qui va bien cette année. Donc, on pourrait dire que c'est un des joueurs là, qui contribue au succès de l'équipe. Oui, c'est sûr, certain. Donc, deuxième joueur que Maxime Duquet avait mis, c'était Gabriel Verpas. Marquis Jonker. Je sais que c'est un de tes préférés, là, Dave, depuis l'année dernière. C'est un joueur parfait pour ce ligue-là. Je veux dire, il est solide, il donne des bonnes mises en échec. Quand vient le temps d'y aller au point, il ne donne pas sa place non plus. Puis du côté de Jonker,
Il a quasiment un point par match cette saison. Il peut jouer. C'est sûr, c'est peut-être pas un gars qui est reconnu pour son power play, là, mais il peut le faire aussi. Mais il est très, très efficace en désavantage numérique à 5 contre 5. C'est un gars qui peut faire un peu de tout. Puis je pense que les comparaisons sont faciles avec le 27. Là. Tu penses tout le temps à Jean-Michel Bolduc à Jonquière, mais je pense que s'il y a un joueur qui peut remplir ces souliers-là, d'avoir le 27 à Jonquière, c'est vraiment Gabriel Verpas. Puis vraiment, en deux saisons, est vraiment rendu un des top défenseurs de la Ligue. Là. Je pense que c'est impossible de passer à lui. Là. Puis, quand on récompense les défenseurs dans la Ligue nord-américaine, on y va souvent. Ben là, il y a quasiment un point par match, fait qu'il pourrait quasiment être inclus là-dedans, mais on y va souvent au niveau des points. C'est souvent les défenseurs offensifs qui vont remplir ça, mais quand on parle vraiment d'un défenseur complet, là, je pense que Gabriel Verpas est dans la liste de courte là, des meilleurs défenseurs de la Ligue, ça, c'est sûr. Ouais, puis atteint une production, là, dépasser la production de l'année dernière en la moitié de match. Ouais. Donc, du côté des points sur le board, comme on dit cette année, avec Mathieu Brisebois là, qui va bien aussi. Là, je pense que Mathieu Brisebois est le premier pointeur chez le défenseur. Oui, puis tu sais, quand Michael Tam est présent aussi, ça fait un méchant top 3. Puis c'est Hugo Laporte aussi. Fait que tu sais, Jonquière, des bons défenseurs. Puis même Verpas, je rajouterais niveau robustesse un peu. On dirait qu'il est même un petit peu plus dégainé que l'an dernier. Il hésite moins à. Peut-être que c'est juste une question de timing aussi, mais tu sais, on dirait qu'il donne plus de mise en échec spectaculaire cette saison. Fait que on dirait que même à ce niveau-là de son jeu, tu sais, élevé d'un cran cette année, fait que c'est vraiment un tout. Puis le troisième de la liste de Maxime Duquet, Dominique Talbot-Tassi, des pétroliers du Nord. Donc, défenseur, en tout cas, que je trouve qu'il s'est révélé dans les séries l'année passée, puis on l'a eu au podcast, il n'a pas long. Oui. Mais ça, c'est surtout dans les séries qui l'année passée que j'avais commencé à le remarquer. Je pense qu'il a continué à prendre du galon cette année. Là. Ouais, je pense que Dominique Talbot-Tassi, il l'a dit, là, qu'il n'était vraiment pas satisfait de la façon dont il avait joué l'année dernière. Ça y avait pris quasiment jusqu'aux séries, tu sais, pour retrouver un peu son air d'aller. Mais là, cette année, je pense qu'il, dans le fond, l'a déjà trouvé, là, puis on est rendu juste au mois de décembre. Vraiment, Laval avec, là, quand on parle de défensive, Laval sont pas à plaindre. Ils ont vraiment une défensive complète, là. Défensive très mobile, très, très offensive également. Je pense que Dominique Talbot-Tassi, c'est un des piliers de cette défensive-là, là, déjà à sa deuxième saison. Un peu comme Gabriel Verpas, si on regarde peut-être sa fiche de points aussi, l'année passée, il avait 8 points, un but, 7 passes en 23 parties cette saison, là, en 14 matchs, un but, 11 passes, 12 points. Donc, déjà dépasse sa production pratiquement en la moitié moins de matchs. Exactement. Puis, si on complète les surprises, je pense que si on regarde les commentaires, là, Eliezer Sherbatov, Martin Delan, oui, je suis d'accord. Je pensais pas que Sherbatov aurait, honnêtement, là, je savais qu'il était bon, qu'il était spectaculaire. Je pensais pas qu'il aurait autant de succès rapidement que sa game, mettons, que sa game ferait une bonne transition pour la Ligue américaine, mais vraiment, il est en train de nous faire mentir. Là. Il produit vraiment un bon niveau avec Jonquière. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il est spectaculaire. J'allais dire, ses tricks, ses moves de patin qu'il fait dans un match, des tourniquets. Moi, quand il est capable d'aller chercher une accélération, il reste dans la zone offensive, sans sortir de la zone, capable vraiment dans cet espace restreint-là d'aller chercher une grosse accélération puis créer de quoi. C'est vraiment impressionnant. Puis, je vais toujours trouver ça plate que, là, une couple de semaines à Laval, là, il avait réussi à souffler entre deux défenseurs et partir en échappée, puis il n'avait pas réussi à compléter, mais honnêtement, selon moi, s'il réussissait à compléter ce but-là, c'était probablement le but de l'année. Fait que, tu sais, c'est plate, il l'a pas fini, fait que ça a juste fait un highlight à mettre dans la vidéo de Fessian de ce game-là, mais tu sais, s'il avait fait ce but-là, c'était probablement le meilleur but de l'année. Avec aussi en début de saison, premier match de la saison, quand il avait fait tourner Maxime Ouimet,
avec un Spinorama aussi, s'il avait complété ce but-là, ça aurait été écœurant. Fait que, tu sais, je pense qu'on n'est pas loin. On a déjà fait déjà des séquences vraiment spectaculaires qui ont mené à des buts, mais s'il continue même, c'est la fin de l'année, demain, c'est vraiment un pas pire. Il a fait parler aussi de la Ligue en bien quand même, là, de les dernières semaines, avec son livre qui est sorti. Il a quand même eu des articles sur lui, son livre, dans la Ligue américaine, dans la presse. La semaine, ben oui, c'est vrai, j'ai vu ça à un kiosque. Il y a deux aussi, Sébastien Auger à Saint-Georges, je suis d'accord, vraiment, tu sais, je veux rien enlever à Raphaël Girard, mais Sébastien Auger, t'es en train de jouer d'une façon que c'est dur de dire que c'est pas le gardien numéro un quasiment à Saint-Georges, parce qu'il est vraiment, vraiment bon, tu sais... Ben. Moi, honnêtement, je trouvais qu'il était déjà bon l'année passée. Pour moi... Mais l'année passée, c'est qu'il a connu un début de saison, mettons, premier mois et demi, deux mois. Mettons, avant la pause COVID, là, l'adaptation à la Ligue nord-américaine avait été très difficile. Il y avait eu des matchs vraiment, on va se dire, là, exécrables, là, atroces. Puis sa fin de saison, quand on regardait les stats, puis en série, il a super bien fait, mais quand on regardait les stats à cause de son début de saison, ça y faisait comme des stats ordinaires. On va se le dire, mais là, cette année, depuis le début de la saison, il est bon. Il est quatrième dans la Ligue pour le pourcentage d'arrêt. Les victoires avec, il est dans la Ligue là, de 5 victoires déjà. Puis je pense que vraiment... juste en fin de semaine, la game contre Sorel, j'ai été surpris qu'il n'y ait pas d'étoile, pour être honnête, là, parce qu'il avait été vraiment très fort. Puis la game contre Thetford Mines, ils ont perdu 6-2, puis il y a eu la troisième étoile. Puis tu sais, c'était pas pour être gentil et donner une étoile à un joueur de Saint-Georges, là, malgré la défaite. Là, je pense que il a fait des arrêts vraiment spectaculaires dans cette game-là. Puis il méritait son étoile quand même, malgré le score. Là, fait, même dans un match qu'on pourrait dire une contre-performance où ce que il a donné 6 buts, il a quand même été vraiment solide malgré tout ça. Fait que. Non, je suis d'accord avec ce choix-là. Puis Danny Charest qui dit Ratel. Oui, Ratel, par contre, selon moi, c'est peut-être moins une surprise dans le sens que je m'attendais à ce qu'on s'attendait peut-être plus à ce qu'il soit aussi bon que ça. L'année passée, il avait été vraiment excellent en série aussi. Il avait été vraiment excellent. On savait déjà que c'était un gars qui a du chien, qui peut déranger les autres et qui est capable de produire. Peut-être la surprise qui est le fun, c'est que au début de la saison, c'est connu vraiment un gros début de saison. Puis peut-être que c'était le genre de joueur qui devait step up un peu en l'absence d'Alexandre Goulet. Mais 12 buts en 15 matchs, je pense qu'on peut y enlever. Mais je le dirais oui, parce que 12 buts en 15 matchs, je ne m'attendais peut-être pas à ce qu'il fasse autant de buts que ça. Ça, je vais être honnête. Dans son honneur aussi, ça, avec Goulet, avec Mimor, qui est parti, c'était un joueur qui a vraiment step up, là, qui a pris sa place. Ouais. Qui en a profité. Puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, il est super bon, mais c'est vraiment un début de saison canon. J'étais en train de regarder, il y avait 10 points en 5 games au début de la saison, tu sais, pour commencer la saison. Fait que ça a vraiment aidé le début de saison un peu. Puis non, je suis d'accord avec ça, mais je dirais que je m'attendais à ce qu'il soit bon, Ratel, déjà, quand même. Ça. Il a déjà connu des bonnes saisons offensives aussi dans le junior. Et puis, tu sais, l'année passée, il y avait déjà un point par match l'année passée, Ratel. On s'attendait à ce qu'il soit bon. Sinon, il y a d'autres joueurs. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait écrit sur Auger. Il y a Simon Danny Pépin des Bâtisseurs. Ouais. C'est vrai que il joue du gros hockey. Là. Plus récemment, là, je pense que depuis les Bâtisseurs ont 4 matchs en ligne. Je pense que c'est dans les 2 dernières fins de semaine, il est en train de. Lui avec, là, c'était sûr que selon moi, c'est pas surprenant qu'un joueur de même ait un début de saison un peu lent. Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, on va se le dire. Mais je prends le match de samedi.
avant la troisième période, tu sais, il avait connu vraiment une mauvaise fin de deuxième période, les bâtisseurs. Puis avant la troisième période, c'était vraiment lui que avant d'entrer dans la chambre, là, j'ai Guillaume Dalpé qui fait des TikTok un peu pour la Ligue. J'ai parlé, puis il m'a dit qu'avant de rentrer sur la glace, c'est vraiment Pépin qui est en train de crier après les joueurs pour les motiver, puis tu sais, let's go. La période commence en désavantage numérique. Boum, prend la rondelle, 9 secondes, va faire un but en désavantage numérique. Tu sais, ça a complètement changé la game. Fait que, tu sais, c'est le genre de séquence que... qu'un leader peut faire. Là. Fait que c'est des game changers, comme on dit. Fait que... ben moi, j'ai trouvé cette année, même au début de la saison, il jouait beaucoup de minutes avec Pokulok. Mm-hmm. Les deux étaient tout le temps sur la glace. Puis là, avec Pokulok qui n'est pas là, mais vraiment Dan Pépin est toujours sur la glace. Vraiment un joueur qui est important pour les bâtisseurs. Ouais, c'est le défenseur le plus utilisé, là, sans aucune surprise. Puis en plus, tu parles de la part dans la chambre du leadership. Donc, il y a ça de plus en plus. Mm-hmm. Exact. Denis parle des gardiens de Rivière-du-Loup, Boali, côté Cazenave, là, joueur le premier. Cazenave est en train de trouver ses heures. Je pense que Boali. Boali, je le mettrais dans mes surprises. Puis, tu sais, c'est pas chien de mettre dans les surprises parce qu'il a connu une super saison l'année passée. Mais honnêtement, il est en train de faire mentir pendant tout le monde parce que c'est un gardien qui. C'est pas un gardien qui va être flashy, qui va être spectaculaire. Et on dirait qu'il fait juste comme se placer à la bonne place. Puis, tu sais, il fait les arrêts. Puis, tu sais, c'est pas un. C'est un peu. On l'avait eu dans le podcast l'année passée. Puis, c'est un gars qui sait que. T'as pas l'air stressé, t'sais, juste vraiment relax. Puis on dirait que dans les buts, c'est un peu la même chose, tu sais. Puis vraiment, t'sais, c'est un gars qui, tu sais, je sais pas, là, il fera pas un arrêt comme dans une game. T'sais, oui, quand il y a des arrêts importants, il va les faire, mais tu sais, à la fin du match, tu regardes, tu dis, ah, Colin, il a juste donné deux buts sur genre 35 shots. Puis tu sais, c'est quasiment ça à chaque game. Fait que ouais, je le mettrais Boily parce que vraiment. C'est un gardien qui est sorti d'un peu nulle part puis qui est en train de s'établir comme un des meilleurs gardiens de la ligue. Je pense qu'après une saison et demie, on peut dire que c'est le real deal, comme on dit. Hein, que c'est... Ben, ça, à Jonquière, il y avait au début de l'année, il y avait trois gardiens, il y avait Samson, puis Leclerc, Boily, puis... Leclerc. Puis finalement, c'est Boily qui est parti. Ouais. Je ne sais pas si peut-être la demande pour Rivière-du-Loup était plus du côté de Boily ou si, on ne le sait pas trop. Là, on sait pas d'après moi, c'est Rivière-du-Loup qui voulait avoir Boily. Là, ils ont comme eu l'opportunité parfaite pour le faire. Puis, tu sais, honnêtement. Saisi sa chance. Du côté de Jonquière. C'est dommage, mais on va peut-être s'en mordre les doigts pendant plusieurs années si Boily continue de coller de cette façon-là. Parce que vraiment. Côté Cazenave, c'est un gardien que je n'ai pas hésité à le dire, que j'ai tant trouvé bon, que ce soit en six années plus jeune ou dans le junior. Dans le M18, à partir de M18, dans le junior, tout le temps était bon. Là, fait que, c'est sûr que de le voir connaître du succès le joueur de la semaine cette semaine, c'est le fun. Il y a eu un bon match là à Sorel. Il y a eu aussi un arrêt contre Bouvet-Morissette. Ça avec un arrêt qui va peut-être être dans les jeux de la semaine. Un arrêt spectaculaire en plongeant là, pour voler un but. Fait que, non, il a vraiment bien goûté. Puis, tu sais, je l'avais eu en entrevue l'année passée, puis c'était quand même dur, là, pour vrai, dans le sens qu'il était à Trois-Rivières. Là, il y a eu, une équipe de la East Coast qui l'avait appelé. Puis là, il y avait eu un appel de la Ligue américaine, puis il s'était rendu dans la Ligue américaine. Je ne sais plus c'est qui l'autre gardien qui était avec dans sa chambre, là, mais... en tout cas, on niaisait, on disait, il faudrait quasiment que tu le blesses là, pour pouvoir gauler des games, je pense, l'année passée. Là, il n'a vraiment pas gardé beaucoup de parties. Là, si vous en regardez, je pense qu'il y a 4 games. Là, tu sais, ben là, si il gaule de même, il va en gauler de plus en plus. Mais
C'est tant mieux pour Rivière-du-Loup. L'année passée, on avait Tedford, Marco Cadorette, c'était un A, un B, mais si Rivière-du-Loup peut se ramasser avec un A, un B, et eux autres avec, ils vont être en bateau. Yes. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres surprises? Philippe Terrelge qui dit « Je voulais agacer Alain Dubois, il écoute, il est mon voisin à l'aréna. » Donc, ça se tire la pipe sur le chat. Ouais. Mais je pourrais peut-être y aller avec les autres. C'était plus les surprises en général dans la ligue. Ben, moi, il y en a une autre surprise. Je l'ai mentionné. Kevin Cloutier. Ouais, ben, il était dans les surprises général. Ben ouais, dans la surprise en général, il me. Puis tu sais, je veux pas la voler à Maxime Duquette, mais tu sais, j'y avais pensé un peu. Parce que quand tu regardes le classement des pointeurs, Kevin Cloutier, sixième marqueur de la ligue, 23 points en 17 games. C'est vraiment le bon vin, disons. Tu sais, c'est quoi d'autre à dire? Le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue est allé chercher son 329e but pour le record en début de saison. Tu sais, tout ça. Puis. T'sais, 905, je pense que c'est son 950e point aussi qu'il a fait. C'est un genre de joueur que l'année passée, c'était plus difficile. Je pense que le retour après la pause COVID aussi pour un joueur de son âge. Tu regardais l'année passée, puis il est tellement efficace en désavantage numérique et tout ça que tu disais il peut adapter son jeu et jouer une autre saison puis être efficace pour le coup le fait. Mais là, je pense qu'il avait un peu dit avant le début de l'année que c'était probablement sa dernière, mais là, Colin, la manière qu'il joue, la question va se poser pour l'année prochaine parce que vraiment, connaît un super début de saison, première moitié de saison. Donc, je n'aurais jamais pensé qu'il serait égal. En fait, il était à égalité au quatrième rang avec 23 points. Fait que jamais j'aurais pensé qu'il serait à égalité au quatrième rang des pointeurs à mi-saison pratiquement avec Kevin Cloutier. Je lui lève mon chapeau parce que. Ça, c'est une surprise, selon moi. Il est égalité au quatrième rang. Il y a 23 points, oui. Égalité avec Lacroix, Picard, puis Louis Marcotte. C'est parce que c'est comme Lacroix, Picard, sont 4, puis Cloutier, parce qu'ils ont 10 buts. Non. Lui, il a 7 buts. Ah ouais, c'est à cause des buts, ouais. C'est pour ça qu'il est égal. Puis il y a Louis Marcotte aussi qui a 23 points, qui est 7e, mais il a 5 buts. Donc, c'est pour ça que je peux remettre le. Peut-être le ouais, mais lui, il l'a dit, Marcotte, l'autre fois, pourquoi il faisait moins de buts, il faisait plus de passes. Mais pour mieux compléter ses compagnons de trio. Si on regarde ça, là, c'est. Ouais, puis Massenauer. Danny Gauthier aussi, il avait été blessé toute l'année passée, pratiquement. Là, cette année, il est en santé, puis on le voit, c'est quoi ce calibre de joueur-là, Danny Gauthier, connaît toute une saison. Sinon, les autres surprises. Les autres surprises que tu voulais parler, ouais. Ouais, ben, dans le fond, il y avait Kevin Cloutier, il y avait les 3L. Les 3L, assurément, là, si on en parle un peu à chaque semaine. Là, mais l'année passée. Si on regarde le classement, là, présentement, ils sont 3e. Je pense qu'ils étaient 2e la semaine passée. Saint-Georges est passé en avant. Côté de Rivière-du-Loup. La seule chose que je regardais un petit peu, c'est que Maxime Saint-Cyr connaît une bonne saison, là, mais c'est pas comme du 2 points par match comme l'année passée, mais la production des buts vient vraiment de tout le monde cette année. Maxime Saint-Cyr, je pense que ça aurait été fou de s'attendre à ce qu'il fasse 2 points par match encore. Là. Surtout que là, les équipes sont plus habituées à lui maintenant. Mais tu sais, Maxime Saint-Cyr, il est quand même 2e buteur de la Ligue. Là. Il y a juste Nicolas Poulin qui a plus de buts que lui présentement. Il était avec Joey Ratel, justement, qu'on parlait. Puis un autre joueur qui vraiment est en train de déclare, là, si on veut, déclare. Il était bon, mais je veux dire, déclare cette saison. C'est Janik Asselin. Asselin, pour vrai, qui
dans le fond, depuis le début du mois de novembre. Depuis le début du mois de novembre, 9 buts déjà en à peu près 10-11 matchs. Fait que depuis le début du mois de novembre, Yannick Cashman marche quasiment un but par match. Vraiment, lui avec, c'est un joueur avec du loup qui step up, comme on dit, là, qui participe beaucoup au succès de l'équipe présentement. Et Anthony Gagnon, là, la recrue qui est troisième pointeur aussi, avec 18 points, c'est une belle surprise. Ouais, puis c'est avec, c'est cette deuxième show total cette année. C'est un joueur qu'on arrivait à Duluc, qu'on voulait qu'il remplisse les souliers des joueurs offensifs qui venaient de partir, comme les Tourigny puis les Villemaire, puis il est en train de, prendre son aise. Parce que lui, avec, il a un début de saison lent, puis c'est depuis, dans le fond, novembre qu'il produit. Puis la défensive aussi qui se porte bien, autant que les gardiens de but que les défenseurs du côté des 3L, cette année... production, elle vient de un peu tout le monde. Là. Du côté des défenseurs, ça va bien les Williams, Zach Borsois, des 3 buts cette année aussi. Xavier Morin, Danick Crête. Sam Thibault. Okay, ouais. Sam Thibault, ouais. Donc, c'est ça. Sinon, moi, une autre surprise que je voulais parler, les bâtisseurs, tu sais, là, 3-4 semaines, il avait perdu 10-1. Après ça, ils ont mangé une dégelée contre Laval, là, 14 buts. Mm. Une autre game là-dedans qui avait perdu comme 6-2. Tu sais, c'était comme moins, c'est vraiment... Il a gagné la game après, au moins. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'était comme 3 matchs sur 4 qui s'étaient fait. Ils avaient mangé des varlopes. Là, puis, tu sais, ça commençait à dire comme moins... c'est-tu vraiment... sont en train d'être exposés. Puis, tu sais, le reste de la saison, ça va être dur, ça va être long. Mais là, ils viennent de rebondir. Ils ont 4 victoires de suite présentement. Fait que je pense que ça c'est une des surprises récentes, mettons, parce que après que ça allait mal été comme ça, je ne m'attendais pas à ce qu'ils ressortent un 4 victoires de suite. Fait que les bâtisseurs, présentement, ça va mieux que ça l'était. Quand ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? On supporte l'équipe, on va voir la game à l'aréna. On encourage, là, c'est le temps des fêtes. Payez-vous un petit billet, là, un petit cadeau à vous-même, là, puis allez les encourager. Ouais, puis cette semaine, ça va être les débuts de Curtis Swanson, genre de joueur qui risque de faire plaisir aux partisans. Fait que, j'ai hâte de voir. C'est le cowboy de l'Est, c'est pas de l'Ouest. Ouais, mais j'ai vu de l'Est. Ouais, en fait, une petite erreur, je pense, mais ouais, il vient de l'Ouest canadien, un cowboy. Ah, puis tu sais, contrairement à, disons, d'autres hommes forts qui peuvent être revenus dans la ligue, puis tu sais, qui ont eu un peu de misère, lui au moins a participé au Ice Wars cet été. Là. Fait que tu sais, il y a quand même eu des combats sur glace récemment. Fait que tu sais, il va peut-être. C'est un gars qui se tient en forme. Fait que, À voir. Il avait impressionné par sa forme physique aussi au Ice War, je me souviens. Il y avait de la dégaine là-dedans. Fait que, il l'avait avoué après que c'était beaucoup préparé. Donc, j'imagine qu'un gars comme Swanson, lorsqu'il va arriver avec Moncam, va être déjà préparé s'il y a à faire. C'est ça, parce que tu sais. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça, tu sais, je veux dire, pratique pour recevoir des coups. Tu sais, faut que tu l'en aies eu comme récemment pour, tu sais, être capable, tu sais, de le faire comme il faut. Puis lui, il l'a fait. Fait que, d'après moi, ça devrait donner un meilleur résultat que ceux qui ont eu besoin de quelques matchs pour, comme, le réapprendre. Disons. Ben, justement, si on continue sur ce sujet-là, je pense que j'ai vu une vidéo passer cette semaine d'Annie Augustine là, qui joue dans son coin là, dans les Atlantiques, dans une ligue. Là. Donc, là, c'est ça, tu sais, quand je parlais de ça, c'est un peu ce genre de joueur-là que je fais allusion. Tu sais, c'est des joueurs qui sont capables de le faire parce qu'ils l'ont déjà fait, mais je veux dire, quand tu ne l'as pas fait pendant plusieurs années, ça va falloir que tu le fasses plusieurs fois avant de être capable. C'est
c'est sûr que si tu arrives à brûle pour. On te lance à fret dans l'action qu'on. Ouais, je ne pas à brûle pour point, je veux dire. Si on te lance à fret dans l'action, tu sais, contre des David Lacroix puis contre des gros bonhommes de cette ligue-là, tu sais, ça va être tough. Là, fait que... De ce côté-là, ben, Augustine qui prend du galon un petit peu, se pratique avant de faire son retour dans notre ligue à nous. Donc, voyons voir. Le 22, je pense, c'est à Thetford, de mon camp à Thetford. Le 23, c'est à la maison. Ouais. Donc, le Cool FM, donc Amel Thibault qui peuvent être là. Une surprise aussi, Martin Gagnon qui dit Sorel dernier dans la ligue. Ça aussi, c'est une surprise. Mmh. Ouais. Par contre, du côté de Sorel, je dirais que offensivement, la perte de Gadouri, Potvin, Brodeur n'a pas vraiment été comblée. Elle a un peu été comblée, mais comme vraiment pas au complet. Puis je pense que c'est ça un peu qui fait mal. Là. Sorel est l'équipe qui marque le moins de buts dans la ligue. Il manque d'attaque parce que la défensive n'est pas trop vilaine. Les gardiens sont quand même bons aussi. Dominic Graham est troisième au chapitre du pourcentage d'arrêt dans la ligue au début de la saison. C'est vraiment l'attaque qui est anémique. Puis, on l'a vu en début de saison, puis on l'a vu en série l'année passée. C'est pas bon quand ton équipe est à une blessure dans un des joueurs du premier trio à vraiment être dans le trouble. Là. Parce que c'est pas une excuse de dire que Gabriel Paquin-Moudreau a été blessé un mois et demi. Ouais, c'est pas une excuse à Thetford, Alexandre Goulet, il joue pas depuis le début de l'année. T'sais. Fait que c'est un peu ça, mais si on regarde du côté positif, au moins ils sont en santé. Alexandre Canel devrait jouer plus de matchs d'ici la fin de la saison. On avait parlé pour lui d'une dizaine de rencontres. Donc, s'il en a seulement joué deux, ben forcément, il devrait jouer beaucoup plus de la saison. En jouer au moins 8. Ouais, c'est ce qui est à peu près la moitié des matchs. Fait que, il devrait jouer à peu près la moitié des matchs qu'à la fin de la saison, si tout va bien. Même chose pour David Bastien, qui a dit qu'il jouerait près une dizaine de games. Fait que, ça devrait aider, mais c'est sûr que Christian Deschênes doit essayer de penser à des solutions, là, ça c'est sûr et certain. En même temps, si tu regardes le classement, Sorel, c'est peut-être la seule équipe qui a un dossier négatif. Là. C'est quand même fucké de voir que. Ouais, ben c'est avant le match. Avant le match de dimanche, ils ont perdu dimanche, mais avant le match de dimanche, Sorel était dernier puis jouait pour 500. Ouais, c'est un peu ridicule, là, tellement qu'il y a de la parité cette saison. Puis là, on entend, Philippe Théberge qui vient de l'écrire, Sorel sont en construction, a eu la perte de beaucoup de joueurs. Mais, dire, si on regarde un peu justement qu'est-ce que Denis dit, ils sont à 7 points d'écart à mi-saison avec la première place. Fait que, on va se calmer. Oui, sûr, mais pour les fans de Sorel, c'était une saison un peu plus difficile parce que Sorel les a habitués à. Non, mais c'est comme l'habitude, là. Sorel les a habitués à avoir beaucoup de succès dans les dernières années. Fait que... Parce que, on disait, Jonquière, un bon début de saison, ça va bien. Il était deuxième au classement. Il était premier, là, quoi, trois semaines. Ils sont rendus avant-dernier. Là, on va dire, Jonquière, ces temps-ci. Ouais, c'est pas une bonne saison. C'est un peu la même chose avant de dire c'est une mauvaise saison, tu sais. C'est des vieux dictons de hockey, là, mais il n'y a jamais un championnat qui s'est gagné avant Noël. Mais c'est quand même une fin de semaine primordiale, très importante parce que c'est un home and home avec Laval que Sorel joue. Laval est premier à 22 points, Sorel est dernier avec 15 points. Tu sais, quand on parle de parité et toutes les équipes sont serrées, s'il fallait que Laval gagne ces deux matchs-là, ben là, je pense que le classement va commencer à se desserrer pas mal. Sorel vont être rendus. Laval vont être rendus à 26, Sorel à 15. Au contraire, si Sorel gagne les deux, ça va se resserrer encore plus comme jamais. Ben, c'est ça, c'est là que ça va jouer. T'sais, si Sorel gagne les deux, ça va se resserrer encore vraiment beaucoup. Mais s'il fallait que Laval gagne les deux, là, à ce moment-là, vraiment, Sorel va,
va peut-être être un peu plus dans le trouble pour espérer finir premier. Hein. Je parle plus de ça. Ils vont pouvoir revenir ailleurs dans le classement. Mais ouais. C'est une grosse fin de semaine. Ça serait de l'avant, c'est dans les grosses foules. Ça va être avant Noël. Fait que, en tout cas, c'est deux matchs. C'est une bonne transition pour parler des matchs du week-end. Là, on me nomme à Sorel, à Laval jeudi, à Sorel vendredi. Fait que ça va être des matchs le fun entre les deux équipes, c'est sûr. Le troisième point en passant de l'Axon-Skis, c'est la parité. On a quand même un petit peu parlé. Ouais, on a pas mal parlé. Sinon, les bâtisseurs, on a parlé un petit peu avec Chris Lozier, mais les bâtisseurs qui s'en vont à Montcalm, je fais des lapsus, ça n'a pas de bon sens. Les bâtisseurs qui s'en vont à Thetford jeudi pour la première fois de la saison. Donc, ça va être un match intéressant, le retour d'Étienne Marcoux à Thetford Mines. Mmh. Puis vendredi, trois matchs. Thetford s'en va en Rivière-du-Loup. Donc, Thetford va être content de jouer deux matchs en deux soirs. Ça va faire du bien aux jambes. Donc, Thetford à Rivière-du-Loup. Le match retour, les Pétroliers à Sorel. Puis le Cool FM qui s'en va à Montcalm pour affronter les bâtisseurs. Ce qui est spécial là-dedans, c'est rare qu'on voit ça, mais il y a une équipe qui ne joue pas en fin de semaine. Les Marquis de Jonquière n'ont pas de match en fin de semaine. Fait que une semaine de repos pour les blessures. Ouais, c'est spécial. Mmh. Fait que, peut-être qu'il y avait des fois, c'est des arénas, des villes, que des fois, des empêchements. Peut-être c'est à cause de ça cette semaine. Mmh. Fait qu'en tout cas, c'est ça pour dire que un calendrier de 5 semaines, puis après ça, c'est Noël. Fait que, bon hockey de la Ligue nord-américaine, puis après ça, on s'en va dans nos familles fêter Noël. Ça va être le fun. Pourtant, c'était la semaine passée qu'il y avait le tournoi du challenge au CN. C'était à l'Abbé et Jonquière, mais c'était pas au Palais des Sports, c'était au Foyer des Loisirs. Mm. All right. Fait que, sinon, petit quiz pour finir. Ouais, allons-y. Petit quiz. Ouais, puis il y en a plusieurs qui parlent du calendrier. Il y a des joueurs aussi qui parlent du calendrier. Il y a beaucoup de fins de semaine d'un match, puis c'est pas facile pour les joueurs. Mais je pense que c'est un peu la 7e équipe qui fait ça un peu. Sam Lévesque doit avoir à son premier combat. Je sais pas, cette semaine, s'il joue contre Thetford Mines, peut-être il y a des bons clients à Thetford Mines. On verra bien. Mais pour le quiz, je ne sais pas qu'on aime trop parler de combat, mais c'est dans le temps des fêtes. Puis il y a un match, moi, que j'étais allé voir quand j'étais jeune, qui m'avait toujours marqué. C'était un match à Sorel dans le temps des fêtes. Puis dans ce match-là, il y avait un joueur qui s'était battu 5 fois, peut-être même 6. Je pense que c'est probablement un record. Si ça ne l'est pas, j'aimerais bien ça savoir c'est quoi qui bat ça. Fait que ma question, c'est qui le joueur qui s'est déjà battu 5 fois dans un match de la Ligue nord-américaine? Depuis quand que le règlement qui pas plus le règlement était là à l'époque. C'était des circonstances qui ont fait que j'ai écouté les circonstances par après. Là. Mais ouais. 5 batailles dans un match. Ouais. On va y aller avec un classique John Mirasty. Non, mais il s'était battu contre John Mirasty 2 fois dans ce match-là. Ah ouais? Colin. Il s'était battu contre Dean Merrin 2 fois aussi dans ce match-là. Il y a des noms. Danny Pocket qui dit Dean Merrin. Félix Dallard qui dit Adam Stephenson. C'était à peu près 2006. C'était à peu près 2006, je pense, si je ne me trompe pas. Là. Mike Vincent qui dit Derek Parker. Mike Bro qui ressort de François Boulay. Joël Thibault. Ça doit être peut-être Joël Thériault. Qu'on veut dire. Ouais, après moi, ça doit être Thériault. Manuel Fréchette. Il y a quelqu'un qui a donné la réponse. Ah ouais? Ouais, c'est un joueur qui joue encore cette année. C'est Derek Parker. Pour vrai? Ouais, Derek Parker, il y avait eu, puis ça m'avait marqué vraiment, parce qu'il y avait eu une bataille générale dans le warm-up. C'était battu dans le warm-up avec, je pense, Mirasty Mehran.
Après ça, il y avait eu un combat dans le match avec Brad Lambert. Après ça, il y avait un autre général dans le match. Puis ça s'était battu 2-3 fois dans le général. Encore avec Mirasti Mehran. Puis en plus de ça, ça compte peut-être pas comme un combat, mais Dean Mehran, à un moment dans le match, avant la deuxième générale, l'avait jumpé. Puis c'était comme pas battu. Mais il s'était fait jumper, puis c'était pas battu. Fait que c'est pour ça que je dis comme 5-6. Mais, fait que... Ça compte-tu 5 batailles? Il était-tu payé de la bataille? Ouais, s'il était payé en bataille, ça doit être payant. Ont-tu eu les 5 minutes à chaque fois aussi? Ouais. Ou... Il y a une photo, c'est plate, j'ai pas la photo, là, mais il y a une photo que je me rappelle, là, je sais pas si elle circule encore, mais après le. Je sais pas si c'était dans le warm-up ou après Avatar Général, il y a une photo de lui, il avait pris des pocs puis il jonglait avec les pocs. Ah, il avait le nez ensemble. Puis, c'est ça. Il jonglait avec les pocs. Puis, dans le fond, c'était au secondaire dans ce temps-là. Puis, je me rappelle dans le cours d'anglais, en revenant des fêtes, la prof a demandé, faites un texte sur ce que tu as fait pendant les fêtes. Puis je me rappelle, j'avais fait le texte sur la game, j'avais tout écrit ce qui s'était passé dans la game. J'ai appris à jongler grâce à Derek Parker J'avais fait un texte, je sais pas si elle l'avait lu au complet, mais ouais, je disais que j'étais à Wang and Hockey, puis ça s'était battu dans le warm-up, ça s'était battu dans la game. Vu que c'est le temps des fêtes, je me suis inspiré de mes souvenirs. Pour la petite question. Fait que c'est Derek Parker qui, c'est fou, mais il joue encore à ce jour. Fait que chapeau à lui. Là, il avait mérité sa paye ce soir-là. Ça n'a pas de mot du bon sens. Ouais, quand même. Là, ça fait 2 fois d'affilée que je ne l'ai pas, par exemple. Il faut que je fasse un petit peu d'études. Ouais, wow, ben là, celle-là, c'est comme une anecdote, ça. C'est pas trop sache. Mmh. D'accord. Fait que. Good. Right. Sinon, on dit-tu les souhaits des fêtes? Là? C'est quoi que tu as demandé à Noël, Dave? Ah, ce que j'ai demandé à Noël? j'aimerais ça. Je sais pas si. C'est peut-être. Bon, pour moi, sur moi, il va falloir que je m'occupe, mais j'irais pas ça. Tu sais, quand on invite François Riopel, là, il y a tellement un bon micro pour faire ça. J'irais pas ça avoir. Ça rend sa voix comme mielleuse. Puis, pour faire quoi, écouter, là? Pour faire le podcast. Ah, ok. Fait que c'est ça ton cadeau de Noël. Ouais, ben j'ai rien demandé. D'après moi, c'est moi, il va falloir que je me le procure si j'en veux. J'ai pas demandé rien. pour cadeau de Noël, Dave demande François Riopel. Ah, le micro comme lui. Ah, ok, un micro. Comme lui. Riopel. Ah, attends, ouais. Pour avoir la voix. Ouais, non, mais ça, c'est naturel. C'est ouais, c'est vrai, il y a aussi beaucoup de talent naturel là-dedans. Ouais. Yes. Good. Fait que c'est bon. Donc. Case de Gatorade. Ouais, case de Gatorade aussi. Ça serait bon pour toi, ça aussi. Ouais, mais je suis un gros buveur d'eau. Fait que j'éviderais puis je boirais de l'eau dans la place. Ouais. Mais c'est bon, ce Gatorade. Ouais. Bon, ben, moi, de base, je vais nous souhaiter du bon hockey pour la deuxième fin de saison. Oui, c'est sûr, toujours du bon hockey. Toujours du bon hockey. Des buts spectaculaires, des games en overtime. Des beaux buts, des belles batailles, beaucoup de monde dans les estrades. Yes. Puis je vais juste. J'ai vu la question passer 2-3 fois. Je viens d'avoir un flash. S'il y en a qui nous écoutent encore, qui avaient posé la question, c'était pour les séries, les séries cette saison. Là, c'est simple. Il y a 7 équipes. L'équipe qui finit premier au classement a un bye, ne joue pas la première ronde. Après ça, 2 contre 6, 3 contre 5, 2 contre 7, 3 contre 6, 4 contre 5, joue dans un 3 de 5. Les équipes éliminées, il n'y a pas de deuxième chance. Merci, bonsoir, c'est fini. Après ça, demi-finale 4 contre 7. Finale 4 contre 7. Fait que c'est pas mal ça. Martin Fecteau qui dit joyeuse fête à vous deux, tous les fans de la LNH. Effectivement, bonne fête.
Ça va vraiment pas mal sortir. J'ai une bonne fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête, joyeux Noël à tout le monde. Au mois de juillet, ma fête. Ouais. Mais, hey, on revient-tu, nous autres, le 27 décembre, ou on skippait une semaine? Je sais pas savoir. Moi, j'avais pris dans ma tête, on la skippait. Là. Parce qu'on l'a pas fait l'année passée, puis en tout cas, j'ai bien. On est occupé pendant le temps des fêtes. Là, fait qu'il y a des bonnes chances que la semaine prochaine, on ne soit pas là. Inquiétez-vous pas, on va être de retour en forme, peut-être 10 livres en plus au début du mois de janvier. Je pense, si je ne me trompe pas, ça risque d'être le Cool FM cette semaine-là. Donc, je pense que ça donne le 2 ou 3 janvier le prochain podcast. Je vais regarder ça, le but. 20, 27, 3 janvier. Ouais. On viendrait le 3 janvier. On aurait peut-être. On va regarder ça. Je vais t'en parler après le podcast. On a peut-être une petite surprise, mais il faudrait que ça soit comme de quoi de préenregistrer. Ah, OK. Good. Puis sinon, juste une dernière petite anecdote avant de partir, Mike Vincent qui vient de m'écrire, peut-être parce que c'est un peu long à écrire dans le chat, mais il dit « J'ai une autre anecdote de Parker Sorel. C'est le seul joueur à avoir gagné le moitié-moitié à Sorel. » Il dit « En fait, c'était un de ses chums qui avait gagné, mais il avait réclamé le prix au nom de Derek. » Puis Derek s'est levé sur le banc avec l'étiquette pour le montrer quand il avait gagné, puis il l'avait nommé. C'était cette fois-là? Ouais, imagine, c'était cette fois-là, mais tu sais, si tu veux... Honnêtement, ça doit être la meilleure affaire ever pour narguer les partisans de l'autre équipe. Moitié-moitié dans leur aréna. C'est moi. En plus, les équipes gagnent. En plus, tu gagnes à rien. Tu t'en vas avec leur argent. Ouais, en tout cas. Bonne anecdote. Puis je la connaissais pas, celle-là. Fait, d'après moi, je n'étais pas à ce game-là, mais c'est bon. Il m'avait écrit aussi Mike dans les surprises, là, nombre de joueurs de 40 ans dans la ligue, les joueurs peut-être plus âgés là, qui performent encore pour vrai. Là, c'est quand même, on a parlé de Kevin Coutier, là, mais quand même, c'était assez impressionnant. Ouais, Alexandre Tremblay qui était blessé depuis le début du mois de novembre, il est revenu en fin de semaine, 2 buts. Je n'ai pas d'autres. Mathieu Roy, Yann Joseph. 39, Mathieu Roy. Ouais, Yann Joseph, c'est vrai. Yann Joseph, on le voit, ses réseaux sociaux tellement en forme. Son biohacking. Puis sinon, il n'y en a pas d'autres mis en forme. Ouais, Mathieu Roy, 39 ans. Mais Mathieu Roy, c'est quasiment 40. Puis il est très, très dominant. Là. Il est encore excellent. Puis il peut être physique. Puis il peut marquer. Puis il peut tout faire. Fait que. Oui, c'est vraiment impressionnant. David Massé est rendu à 39, je pense, qu'il est avec. Mathieu Medley, peut-être 39-40 avec. Ouais. Good. Good. All right. Sur ce, mesdames et messieurs, on va souhaiter du bon hockey de la LNH. Souhaiter des joyeuses fêtes. Buvez, mais buvez modérément. Modération, et toujours meilleur et goût. Tout. Et surtout quoi? Prenez pas le volant, oui, parce que je filme tout le temps aussi, en plus, l'émission, en disant, faites attention à vos retours à la maison, votre retour à la maison aux fêtes aussi. Oui, tout le temps plus important. Yes, sir. Ben, merci à Chris Lozier là, d'être venu sur le podcast, merci aux nombreuses personnes là, qui sont venues ce soir, il y avait beaucoup de gens. Je pense qu'on avait hâte aussi à ce podcast-là, cet invité-là, puis justement un petit bilan pour nous autres aussi là, avant les fêtes. Jaser un peu de hockey. On va se retrouver probablement là, en début janvier. Fait que je vais en profiter aussi pour te dire joyeuses fêtes à toi, Dave. Toujours un plaisir de faire ces podcasts-là avec toi semaine après semaine. Yes, joyeuses fêtes à toi aussi. Puis, tu diras à ta blonde là, pour le micro à François Léopold. Ouais, il est un peu tard. Il est un peu tard. 5 jours, peut-être peut-être un petit cadeau de dernière minute. Il se met bien dans un bon Noël, là, quelque chose. Là. Ouais. Ouais, j'ai un peu tard. Right. Bon, ben, salut tout le monde et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir. Yeah.
Merci.